Hello. Alors. Yo. Bonjour. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que vous êtes là? 19h00. Est-ce qu'il y a des fans d'Enix? Est-ce qu'il y a des fans d'Evan Fournier? Ouais. Est-ce qu'il y a des fans des Pistons? Ouais. Allez, on s'installe tranquillou bilou pour démarrer ce live spécial trade deadline 2024. Nous sommes ensemble pendant les deux prochaines heures et du bonus de 19h à 21h et des poussières pour finir ce grand mercato NBA avec obligatoire un setup de dingue préparé par monsieur Léonce, le MVP à la prod. Vous allez vivre plein de dingueries, évidemment, il y en a déjà eu les dernières heures. Comment ne pas présenter monsieur Alexis Nator, comment ça va? Ça va bien, impeccable, prêt à tout analyser finement, bien sûr, comme d'habitude, comme toujours. Est-ce que les Suns vont nous faire un trade? Bah, j'espère pas, perso, parce que je le sens pas à l'affaire, ils ont pas d'assets. Ah ouais? Bah, si quelqu'un, si quelqu'un est intéressé par Nassir Little, accompagné d'un petit second tour de draft, allez-y. Appelez Phoenix. C'est alléchant. Phoenix. C'est très alléchant. C'est pour Alex, il est chaud. Comment ne pas parler des moments épiques à vivre avec monsieur Simon? Comment ça va? Ça va et toi? La Alex. Pêche? La ouais, pêche, écoute, ouais. Pas mal. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de la part des Kings? Une connerie, oui. Sûrement. Alors, si quelqu'un est intéressé par Harrison Barnes, Davion Mitchell ou Kevin Werther, connaissez-vous Kevin Werther? Tout à fait. Davion Mitchell, effectivement, oui, très très bien. Ça. Appelez le numéro qui va s'afficher en bas de votre écran. C'est un numéro vert. Ouais. Exactement, c'est un numéro très très vert, ou violet, c'est vous qui voyez. On espère que vous êtes bien installés. On m'invite donc cette NBA trade deadline. Si vous connaissez cette trade deadline, vous savez déjà ce qui va se passer pendant deux heures. On va analyser les transferts ensemble. Il y en a déjà eu des trades et on va en reparler là. En attendant de voir à chaque fois les gros transferts qui tombent, je rappelle les grands classiques. Dès qu'il y a un transfert qui tombe, le petit point 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 qui tombe à chaque fois, vu que c'est Léonce à la prod, on aura l'occasion de tout vous montrer. Tout est prêt, les onglets, c'est exceptionnel. Voilà les points point point, je vois dans le chat, ils sont déjà au taquet. Dès que vous entendez ce son, eh bien c'est simple, ça veut dire qu'il y a un transfert. Il y en a déjà eu là hier soir et évidemment aujourd'hui. On aura deux heures pour parler de tout ça. Juste Alex, pour les copains et copines qui connaissent pas forcément la trade deadline, si tu devais expliquer à quelqu'un là en gros ce qui va se passer sur les deux prochaines heures, c'est quoi? C'est la toute fin des trades. Oui. Alors que les équipes peuvent trader depuis juillet. Hein. Donc il y a toujours beaucoup de trades début juillet, même fin juin, début juillet. Après, ça s'étale un peu en juillet, en août. Parfois, ça redémarre septembre, octobre. Bien souvent, sûr. C'est beaucoup plus calme novembre, décembre, janvier. On a eu quelques petits trades. Sauf James Harden. Voilà, où on a eu les Knicks là, qu'on fait venir à Nunobi récemment ou ce genre de choses. Mais effectivement, c'est toujours un peu plus calme. Et après. Excuse-moi Ah, pardon. Allez ah, là, là. DJ Washington qui va à Dallas. Wow, il lâche notamment, on va vous montrer tout ça, Grant Williams qui aura fait quelques minutes. Grant Alex, Williams, je suis obligé de te couper tout de suite la parole. Ça démarre au quart de tour. Je vous montre tout de suite le tweet. Léonce, on va pouvoir tester tout de suite le setup puisque c'est très simple. Regardez tout de suite, ça vient de tomber. Monsieur PJ Washington qui passe de Charlotte à Dallas dans un package contre Grant Williams, Seth Curry et un first round pick. Attention, c'est énorme. On sait que les Mavs étaient sur PJ Washington depuis longtemps. Et Grant Williams, il va au Hornets, c'est la punition ça. Hein. Et on va voir parce qu'on sait aussi qu'il y avait eu du deal entre les Wizards et les Mavs en échange de Danielle Gafford. On va revenir sur tout ça en long et en large, mais Alex, justement là, t'étais en train d'en parler. Bah, voilà. C'est la fin du mercato, c'est maintenant que ça se joue quoi. Les équipes arrivent à peu près à mi-saison et là, t'as des GM qui disent merde, c'est quoi ce bordel, j'ai tout merdé. Bon, allez, c'est parti. Alors, Dallas, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, Gafford, PJ Washington, exactement. Derek Lively. T'as une raquette un peu là? Ah bah tu peux commencer à bien bosser. Donc c'est vrai que toutes les deux minutes vous pouvez avoir un transfert qui tombe. Simon, je me retourne vers toi après cette courte explication mais très complète d'Alex. Oui. Il y a plein de gens qui ont vu les années précédentes. On avait fait du James Harden transféré, KD. On avait fait du KD transféré. Le mood un peu de cette trade deadline, il y a eu des critiques parce que pas beaucoup de superstars, mais il y a quand même du monde à trader. Bah, il y a toujours du monde en fait, c'est vrai. Alors il y aura peut-être pas de all-star, superstar, machin, mais il y aura toujours des moves pour un principe, pour deux raisons très simples. Déjà, les GM attendent souvent la dernière minute parce qu'en fait, les meilleures offres arrivent en fin. C'est logique. Exactement. Donc ou alors, quand tu as une offre à deux jours de la deadline, tu la valides pas. Tout simplement parce que le bon sens voudrait qu'on sait jamais. Tu vas faire fuiter pour qu'un autre concurrent sur ton joueur. Mais oui. Par exemple, là, c'est un principe d'enchère. Je pense que d'autres. PJ Washington, j'ai l'impression qu'il le voulait vraiment beaucoup, Dallas. Oui. Et il donne pas mal de choses. Mais c'est peut-être qu'aussi, une autre équipe s'en était mêlée, qu'ils ont été obligés de monter. C'est possible. En enchère. Et puis, s'il y a que des joueurs un peu middle, des joueurs sérieux, hein, mais là, on a vu, là, on voit Grant Williams, PJ Washington, des joueurs sérieux. Juste avant, on va en parler, j'imagine, on va analyser. On a du Bojan Bogdanovic qui Evan. Va à New York et tout, machin. Evan qui bouge et tout. C'est aussi qu'il ne faut pas oublier que là, c'est la première deadline. Depuis le nouveau CBA, depuis le nouveau collective bargaining agreement, enfin bref, la convention collective entre les joueurs et la NBA. Tout à fait. Et donc, avec cette histoire de premier apron et deuxième apron, t'as quand même
presque un tiers des équipes NBA là, qui sont qui sont au-delà du deuxième apron ou qui vont pas tarder à l'être. J'ai la liste, mais bon, c'est pas le On en parlera tout à fait. Et en fait, là, on est sur donc cette première deadline avec le nouveau CBA. C'est aussi ça avec ce système d'apron qui est un peu nouveau et t'as pas mal d'équipes qui commencent à se dire merde, mais attends, en 2025, je vais payer combien de taxes, raquer combien en fait. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense, que depuis là, décembre, janvier, on voit pas des énormes trades comme tu disais. On a vu Kevin Durant juste avant la deadline. Il y a deux ans, on a fait James Harden, Ben Simmons pendant la deadline qui tous les trois. Énorme, bien sûr, bien sûr. Ça, je pense que là, on est plus sur une pre-agency. Une pre-agency, on verra cette été les impacts. Effectivement, et ils sont en train de placer leurs pions, de voir ce que tu as comme place dans le salary cap. Et tu as des équipes comme Dallas, comme New York qui se disent attends. Cette année, c'est open là, la c'est route. Open. La route est open. Donc, je vais pas faire une star parce que j'ai déjà Doncic, j'ai déjà Kyrie, j'ai déjà Brunson, j'ai déjà machin. Mais par contre, je prends des pièces, j'ajuste. C'est moins cher. Des petites. Ça joue beaucoup les finances là, je pense, sur cette deadline. Alors, c'est vrai que quand on regarde un petit peu comment ça s'est passé précédemment, vous vous en souvenez, on avait eu historiquement certains petits trades qui avaient pas l'air énormes comme ça en apparence, mais par exemple des Marc Gasol qui avaient été transférés et qui avaient eu des gros impacts par la suite. On aura l'occasion de revoir tout ça. Juste pour continuer, parce que là, je vois que il commence à y avoir des petites infos qui sont balancées. Juste pour continuer à faire le boulot un petit peu sur les annonces, on va être ensemble à chaque fois qu'il y a une grosse news, on la débrief ensemble. Juste, vous les avez peut-être vus, ils sont dans le juste au-dessus du chat évidemment, excusez-moi, du chat. Vous pouvez chatter. Vous pouvez être tout à fait dans le chat et discuter ensemble. Les éditions Cana, ils sont avec nous pour justement sponsoriser ce petit live. Alex, je te laisse le montrer. C'est très simple. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Slam Dunk? Vous êtes nombreux à connaître évidemment Slam Dunk et ce grand classique manga basket qui existe depuis une vingtaine d'années. Eh bien, c'est très très simple. En 2024, on va avoir une édition deluxe qui va arriver pendant que Alex vous la montre. C'est absolument magnifique. Je suis obligé justement de vous en parler. Dans les mains. Voilà, il y en a, je vois, qui en parlent dans le chat et qui connaissent très très bien Slam Dunk. Eh bien, pour les collectionneurs qui aiment bien, moi j'avoue, on a discuté avec les éditions Cana. Vous avez cette première édition qui était en fait l'édition classique. Et là, vous avez une édition collector deluxe qui va sortir, qui est beaucoup plus gros format. Et pour les copains et copines qui connaissent bien évidemment les mangas, habituellement les mangas c'est en noir et blanc. Cette édition de luxe, il y a des pages qui sont en couleur, qui sont absolument magnifiques. Il y a quelques pages en couleur, ouais, ouais. Tout à fait. Donc les informations, elles sont très simples. Vous pouvez retrouver le tome 1 juste ici, bien évidemment, dans les librairies. À partir du 15 mars, il y aura le tome 2. Donc vous allez retrouver tous les grands classiques. Et je crois qu'on a été bien accompagnés. On a du ballon avec des paniers qui sont juste ici. Ah, magnifique. Je crois qu'il y a du panier avec du ballon, donc je sens que Alex et Simon vont se régaler sur les petits shoots qu'ils pourraient faire tout au long du live. Peut-être mais bon, voilà, c'était juste le petit point sponsor, ils sont avec nous. N'hésitez pas à aller checker, évidemment, les éditions Cana, ils seront là. Il y aura nous. Un petit lien dans la descro du replay, j'imagine. Exactement, comme ça. Et si vous êtes sage, il y aura même potentiellement du jeu concours par la suite, parce qu'on sait qu'il y a plein de goodies à gagner. Vous êtes déjà 13 000 à être avec nous. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas énorme. Je sais que Alex, ça, là, ils sont où les gens? Ça va gueuler évidemment au fur et à mesure, mais on sera là jusqu'à 21h. Vous êtes nombreux aussi à appeler peut-être vos darons là. Oui, tout à fait. Vous êtes nombreux aussi, je crois, à débarquer et peut-être pas avoir le récap. Qu'est-ce qui s'est passé, Bastien, Simon, Alex? Dites-nous tout ce qui s'est passé. Je vous propose, messieurs, en attendant les prochains transferts, de faire un petit peu un récap de ce qui s'est passé. J'ai vu une question dans le chat. Peut-être tu vas pouvoir répondre. Je t'en prie. Les Knicks, ils doivent bouger ce soir, non? Alors. Comment te dire? Alors. Très très bonne question. Ça tombe bien. Bienvenue sur Twitch. Ouais, voilà. Mesdames et messieurs. Sur Twitch. Sur Twitch, exactement. Dans le chat. Est-ce qu'on ne ferait pas quand même un bruit incroyable pour Monsieur Evan Fournier qui est libéré? Ça y est. Alex me dit, oh là, attention. Alors, attends, j'applaudis. Je donne tous les éléments. Mais il va à Détroit quand même. Tout à fait. Alors, pour les copains et copines qui n'ont pas l'information, le transfert est tombé sur les coups de 17h30. Gros trade entre les Pistons et les Knicks. Les Knicks récupèrent Bojan Bogdanovic et Alec Burks. On va en reparler. Je vais poser la question à Alex sur ce renfort de banc parce que les Knicks se sentent très très chauds. Et côté Détroit, on récupère Quentin Grimes, qui était un des joueurs les plus annoncés transférés, Malachi Flynn, Evan Fournier, donc qui va rejoindre Killian Hayes pour le moment, Ryan Arcidiacono et deux secondes tours de draft. Alex, je me tourne vers toi tout de suite. Par rapport au côté libéré un peu de Evan Fournier, toi t'as fait un peu la grimace, c'est pas non plus la libération? Pas la grimace, mais je veux dire par là, genre, un, il va à Détroit, qui est donc l'équipe la plus pourrie de la ligue cette année, quand même. Même les Spurs font mieux. Tout à fait. Deux, bah, il y a Kate Cunningham, Jaden Ivey, Quentin Grimes,
Marcus Sasser. Enfin, il y a plein de monde sur son poste. Donc, on va voir quel sort les Pistons en termes de rotation, quel sort sportif les Pistons réservent à Evan. Parce que moi, je suis content de voir qu'il part de New York. Ça fait 18 mois qu'il n'a pas joué au basket. C'est relou, tu vois. Il fallait qu'il parte et tout. Pour moi, c'est le côté libération. Mais attention à ce que ça ne soit pas le transfert d'une prison à une autre. Tout à fait. Et une prison de moins bonne qualité. Et ça peut être très très dur. Justement, on va en parler. Simon, on regardait là tout à l'heure, il y avait monsieur Joe Harris qui avait été coupé par les Pistons. Il peut être coupé, Evan. Il peut être aussi coupé. Et justement, j'allais te poser la question. On a déjà vu. Ça serait une vraie libération. Des joueurs comme là, Kyle Lowry, on va le voir, qui va se retrouver peut-être avec d'autres garçons sur le marché du buyout. Ouais. Est-ce que Evan Fournier, c'est quelqu'un qui va faire là la fin de saison à Détroit, ou est-ce qu'on peut l'attendre sur le marché du buyout? C'est ça, je me demande, sachant que le marché du buyout, et ça revient un peu à ce que tu disais toujours tout à l'heure, pardon, avec le CBA. Il est un peu différent aussi, parce que tu dois avoir plus de cap que d'habitude. Enfin, c'est pas si facile d'encaisser les buyouts, c'est donc, moins c'est libre qu'avant. Les équipes qui ont le second apron, qui sont déjà au second apron, c'est un petit peu plus compliqué pour elles. Ah, tu peux pas trop changer. Elles ont plus de restrictions. Donc le marché des buyouts est un poil différent cette année. Ouais. En gros, Evan va pas se retrouver aussi facilement que ça, je sais pas moi, dans une équipe favorite qui a plus de place dans le cadre. Il serait toujours mieux que si jamais il jouait pas à Détroit. Voilà, complètement. Détroit qui arrête pas de bouger, parce qu'en fait, Détroit a lâché, c'était hier, mais Montemoris. Tout à fait, on va en reparler dans quelques minutes, exactement. Fontecchio, qui est venu lui en échange aussi, en provenance d'Utah. Kevin Knox. Ils ont coupé leur plus gros salaire, qui était Joe Harris. Ah oui, Joe Harris, tu nous poses une colle. Evan, leur plus gros salaire. Et c'est fou, ouais. Leur plus gros salaire. Maintenant, Evan Fournier est le plus gros salaire des Pistons. Et bien avant, sûr. C'est Joe Harris. Je pense que le deuxième doit être Wiseman maintenant. En attendant de voir. Parce que Bogdanovic a bougé. Passer, ouais. Donc Détroit est quand même en chantier. Ah bah Détroit, complet, c'est un... ouais. Et là, faire une, on va dire, une prévision des rotations et tout, ça me paraît très compliqué. On va voir. Franchement, je sais pas du tout pour Evan. C'est vrai que ça pourrait être intéressant qu'il joue ailleurs. Beaucoup soit libéré, de gens, bien sûr, ouais, faut être honnête. Beaucoup de gens, notamment, qui me font des mentions d'un potentiel Evan. Je sais pas, je pose la question au chat. Dans l'éventualité où Evan était libéré, quel serait le spot idéal? Il y en a plein qui me parlent des Wolves, par exemple, qui diraient putain, la réunion entre Evan et Rudy serait formidable. En plus, les qualités de shoot d'Evan, qui est un shooter très respectable, longue distance, peut vraiment pas faire de mal aux Wolves, d'un point de vue offensif. Après, je pense que ça, c'est un calcul que pas mal d'équipes peuvent faire. Demain, t'as Evan Fournier et que tu peux le choper pour le minimum vétéran, je pense que t'as quelques équipes qui vont dire bah yes. Bien sûr. Je le rentre dans ma rotation. Exactement. Alors, pour faire le point complet donc sur ce trade, parce qu'il y a eu plein de transferts, on va y revenir, vous êtes déjà 15 millions, c'est formidable, on vous laisse vous l'installer. Il y a eu donc ce gros transfert qui concerne la France, Cocorico. Evan Fournier quitte les Knicks. Moi, je l'avais vu il y a une semaine, justement, il y a quelques jours à New York, on avait parlé un petit peu de savoir si ça allait être la fin du cauchemar, parce que c'était très très dur pour lui. Ça fait 13 mois qu'il a quasiment pas joué au basket. En plus, New York, c'était un peu son rêve et tout. Enfin, ça a démarré de manière incroyable. Le premier match, il faut se souvenir du premier match d'Evan Fournier. C'est un record de 3 points mis dans une saison. Ah, bah devant John Starr, bien sûr. On va voir la fin de la saison là, voilà. Mais... Exactement. Donc sur le transfert, vous avez ici les détails. Quentin Grimes, Malachi Flynn, Evan Fournier, Ryan Arcidiacono et deux secondes au draft qui vont à Détroit. Parlons quand même de cette Knicks Nation, parce que je sais qu'il y en a là à New York qui sont en train de bomber le torse depuis cet après-midi. Mesdames et messieurs, on est en train de voir des Knicks qui ont fait un super mois de janvier, qui ont récupéré OG Anunoby. Tu viens de rajouter Alec Burks et Bojan Bogdanovic potentiellement en sortie de banc. Alex, Simon, je me tourne d'abord vers Alex. Les Knicks là, mais c'est en train de nous préparer un truc pour le premier tour des playoffs et la suite qui peut être énorme. Tu peux te faire un petit 5 majeur, Brunson, D'Antoni Vincenzo, on en parlait avec Simon. Tu mets Anunoby, Randle, et donc en ce moment c'est Hartenstein puisque Mitchell Robinson est blessé. Sur le banc, du coup, t'as Burks, t'as Josh Hart, t'as Bojan Bogdanovic, t'as Precious Achiuwa, t'as Miles McBride. C'est pour Alex. Dis-moi que c'est pas Miles Bridges. Roy Sonny débarque à Phoenix contre 3 secondes tours de draft et un peu de salaire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pas de joueur apparemment. Je croyais qu'on avait pas de roster spot, moi. On va y revenir dans quelques secondes, mais ça vient de tomber, une nouvelle breaking news. C'est pour ça qu'on voulait que vous soyez là, c'est en bon live ça. Tout de suite à 19h. C'est très... je vais y aller, moi, c'est bon. Allez, okay. C'est bon, Alex. Allez. Il a fait son travail. Le voici donc, le petit trade Royce O'Neal qu'on avait vu du côté de Brooklyn, qui débarque à Phoenix pour apporter son expérience. Il a quand même un bout de shoot et un petit peu de vétéran. Alex, ta réaction à chaud? Il s'est shooté. Il peut même, quand il est de bonne humeur et qu'il a envie de se donner, il peut même défendre un peu sur des postes 2, des postes 3. On l'a vu faire à Utah et tout, c'était pas si dégueu. Bien sûr. Et en plus, c'est pas un joueur, c'est pas un ball handler et tout, parce que t'as déjà Bradley Beal, Booker qui aime bien avoir la balle, plus Eric Gordon quand il sort du banc. Donc
il fit bien et oui. Clairement, je pense que c'est un meilleur joueur que des joueurs qui ne sont pas dans ce trade mais qui sont donc encore à Phoenix comme Nassir Little ou c'est ça, vous avez gardé Nassir Little notamment. Ou qui c'est d'autre qu'il y avait dans les rumeurs de trade de oh, Phoenix bah vous aviez des gars de fin fond de banc mais c'est vraiment du même, je pensais même pas des Keta Base Diop et compagnie. Je crois que c'était vraiment Nassir mais Little. En tout cas, et ouais, non, très content, Royce O'Neal, voyons voir ce que ça peut donner. Surtout là que tu donnes que des seconds tours de draft parce que moi ce qui me faisait un peu peur c'est que j'étais oui. là en disant bah qu'est-ce qu'ils ont comme assets les Suns? Bah ils ont des seconds tours de draft. C'est ça. Et alors on va voir justement là Simon puisqu'on était en train de parler de Phoenix. Là je reviens rapidement vers les Knicks parce que nous on d'accord. a parlé tout à l'heure là en prenant le café oui. Protocolaire j'ai envie de dire avant de préparer ce live. Tu parlais notamment des rotations. T'es les Knicks là t'as quand même un effectif dans au cas où Mitchell Robinson revient parce que c'était un petit peu le truc oui. Là t'affrontes les Knicks, c'est chaud quand même au premier tour des playoffs. Bah c'est vrai que là ils sont sacrément renforcés. Et à l'Est tu dois te dire mince. Le premier tour contre eux, là, l'équipe. Bon, faut voir combien de temps. Ils vont remonter peut-être un peu aussi au bilan. Oui. À voir entre les Sixers. Bon, les Cavs sont bien calés, là, mais tout. Mais pas impossible qu'ils finissent 3-4, les Knicks. Bien sûr. Vraiment, ils sont combien de tièmes, là, maintenant? Je vais ils te mettre ça tout de suite. C'est ça qui est bien. Ils sont passés devant la Philly. La beauté il me de ce setup, c'est que je peux ils sont te mettre. Devant Philly, tout de suite, ça. Oui, ils sont devant Philly. Hop, là, les Knicks, actuellement, ils sont donc top 4 de la conférence Est. Ouais. Et bah, tu sais que là, par exemple, ça reste en l'état. Bon courage aux Sixers pour éliminer cette équipe de Thibodeau au premier tour. Hein. Avec l'avantage du terrain en plus, par c'est exemple. C'est méchant, hein. Ouais, ouais, ouais. Surtout que l'année dernière, ils avaient été bons au premier tour contre les Cavs. Enfin, tu vois, ils étaient déjà chiants, quoi. Non, tout à fait, ils ont une bonne continuité. Et non, leur dynamique est très favorable. L'arrivée, bah, depuis, de toute façon, depuis qu'ils ont Anunoby, ils ont l'air imbattables. Et ah, ils là, le sont violent. Quasiment. Ouais, je sais pas exactement. Mais à un moment, on était à un nombre de victoires, défaites, un bilan digne d'un candidat au titre. Ouais, si tu prends sur 82 matchs. Bien sûr. Là, a priori, Alec Burks en plus a déjà joué, il me semble, sous Thibodeau Onyx, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Onyx, un ancien c'est sûr, de. C'est déjà Thibodeau. C'est donc, les années Trae Young il y a quelques années, ouais, 2021. C'est ça, il était là, lui. Hein. Ouais. Bogdanovic, c'est hyper facile à faire rentrer dans leur schéma de jeu, je trouve. Ouais. Non, c'est très impressionnant. Ça démarre assez fort pour nos amis Knicks qui ont peut-être pas terminé, mais en tout cas se positionnent comme une équipe très sérieuse là. Franchement, en termes de profondeur là, c'est beaucoup mieux qu'avant, je trouve. Ouais, clairement. Ils ont le punch offensif en plus qu'il leur fallait parce que parfois ça manque un petit peu de. Tu sais, qu'en sortie de banc, ça peut, sur des cartons un peu mollassons là. Lui, il peut te mettre 6-7 points d'affilée. Alors, tout de suite. En sortie de banc, et aussi tu peux avoir des 5 par exemple pour finir les matchs où tu mets Brunson à Anunoby. Anunoby et Bojan Bogdanović sur les externes et tu as du Randle avec un pivot Hartenstein ou Mitchell Robinson. Du coup, tu peux et défendre ou et tu as la qualité de shoot de Bojanović. Et t'as un chemin qui est intéressant. T'as un chemin où ton meilleur 5 c'est un small ball sans Randle mais avec un pivot, enfin sans Randle ou avec Randle pivot mais chelou. Donc peut-être plus, tu vois, t'as beaucoup de plus de possibilités aussi de jouer un peu. Il y a des options tout à fait pour Tom Thibodeau. Je vois qu'il y a une demande de récap. Vous connaissez le classique. Je vais vous le faire. On va partir de 24 heures en arrière. Je vais pas vous rappeler que Pascal Siakam est à Indiana et que OG Anunoby est chez les Knicks. Par contre, depuis 24 heures, je prends ma respiration et c'est parti. On va en reparler en détail, mais il y a Boston qui a récupéré un très très bon Xavier Tillman dans un petit trade tout à fait discret hier soir. Brad Stevens qui continue à cuisiner. Let him cook. Comme on dit dans le jargon, nous avons aussi Détroit qui avait commencé un petit peu à faire des moves. Waouh! Encore? Memphis envoie David Roddy aux Suns pour un pick swap. Excusez-moi, attends, mais vous récupérez David Roddy? David Roddy, j'aime bien moi. Oui, d'accord, il va très pas bien, jouer. Très bien, très il bien. Il va pas bien. Jouer, je pense. J'étais en train de faire un récap. Okay. On va en reparler dans quelques secondes. Je l'aime bien, mais il fait pas une grande saison. Enfin, on va en reparler dans quelques secondes de David Roddy. Pour continuer le récap, on avait Détroit qui avait commencé avec donc Monte Morris qui va à Minnesota. On va reparler de ça dans quelques minutes. Contre puisque Milton, Troy Brown et un pick, je crois. Ils ont eu tout à fait quelques petites contreparties, mais un bon backup derrière Mike Conley du côté de Minnesota. Ensuite, on avait enchaîné. On a eu Buddy Hield qui a débarqué du côté de Philadelphie. C'était plutôt dans l'après-midi, sous les coups de 16h30, contre du Marcus Morris et du Furkan Korkmaz, du shooting derrière notamment les ailes et en sortie de banc de Philadelphie, hyper intéressant. Donc ça c'était à 16h30, c'est allé très très vite. Quelques minutes après, on a Kelly Olynyk et Ochai Agbaji qui sont partis en direction de Toronto, retour de la légende canadienne Kelly Olynyk, très attendu par beaucoup de contenders, qui va du côté de Toronto contre Kyra Lewis, Otto Porter Jr. et un futur premier tour de draft. Toronto en avait trop, on en reparlera dans quelques minutes. On va ça aussi en parler en fort. OKC qui récupère Gordon Hayward. Au début, c'était contre Davis Bertans. Ensuite, ça a été Davis Bertans plus Treyman. Et ça a fini par du Davis Bertans, Treyman, Vasilije Micić et du pic de draft. On attend les détails pour reparler de tout ça. Ça a enchaîné avec, on va attendre la confirmation, mais Washington et Dallas qui ont fait un transfert pour que les Mavs récupèrent Daniel Gafford. Le début d'un gros renforcement sur le front de court des Mavs aux côtés de Luka Doncic et Kyrie Irving. Ça a enchaîné donc avec ce très gros transfert entre les Pistons et les Knicks dont on vient de parler, incluant Monsieur Evan Fournier et donc Bojan Bogdanović.
Et puis après avoir vu notamment Joe Harris se faire remercier par les Pistons, eh bien on a vu les Raptors continuer leur travail avec Dennis Schroeder qui est parti avec Thaddeus Young en direction de Brooklyn en échange de Spencer Dinwiddie. On avait eu peur à un moment qu'il y ait du Dennis Smith Jr. dans la danse, mais en fait ça s'est pas passé. Et les Nets qui ont continué leur petit boulot avec notamment Monsieur Royce O'Neal du côté de Phoenix, avant de terminer avec donc PJ Washington dont on va reparler, Grant Williams qui part de Dallas alors qu'il était là depuis à peine arrivé tout à fait, et on vient de voir il y a quelques secondes, je vous le mets juste là et le récap sera complet, Monsieur donc David Roddy qui va chez les Suns, là je vous le mets juste ici, contre un pick swap as part of a three way. Ah, ok, d'accord, en fait il a été intégré dans un petit trade entre Phoenix et Brooklyn, donc il doit avoir du Royce O'Neal peut-être, ouais, d'autres garçons, peut-être pas fini, peut-être que les Nets récupèrent encore, bon on va voir. Ah oui, c'est en marge du trade Royce O'Neal, t'as Memphis qui vient gratter du pick swap mettant David Roddy dans la balance, puisque Memphis eux ils sont en mode ok cette saison alors niquer pour niquer on y va, c'est parti, allez basta, tout à fait. Franchement ça nettoie à Memphis, tout à fait. Il y a ça, et il y a aussi l'idée que je pense dans un coin de leur tête on risque d'avoir un très bon choix à la draft, un pick très haut, oui, ça plus des assets plus peut-être un joueur, et on va aller chercher un ailier ou un truc très costaud. Tu l'évoquais hier notamment dans le LA Café, mais imaginons que les Pelicans ça pète, je pense que c'est les premiers à faire une offre pour un Brandon Ingram ou une comme ça. Parce qu'ils pourquoi les... ça pèterait les Pelicans? Parce que c'est un animal assez c'est un volatile qui pourrait, je sais pas. On va les voir Pelicans, en effet, on si ça voir, tient mais ouais. Et ils jouent pas mal en ce moment, ils font des matchs corrects, hein. Ouais, je sais, là, ils je viennent sais. De fumer les Clippers, c'était propre, non c'est sérieux, ouais. À l'Ouest, il y a forcément une équipe de toute façon après le premier tour qui va dire bon ben qu'est-ce qu'on fait maintenant. Les Pelicans sont candidats à ça, malheureusement. Tout à fait, même dès le play-in. Ce qui est sûr et certain, c'est que Shane Charnier nous dit maintenant que Phoenix a deux roster spots et qu'ils vont peut-être jouer des coudes sur le marché du buyout pour la récupérer des garçons. Attention à Kyle Lowry qui traîne ou d'autres garçons comme ça. Faudra surveiller. Evan Fournier. Exactement, faudra surveiller après la trade deadline. Je vous propose de parler un petit peu en détail de certains transferts qui ont eu lieu, et comme d'hab, dès qu'il y en a un qui tombe, breaking news et on analyse. On vient de parler de Knicks Pistons avec donc Evan Fournier et Bojan Bogdanovic. Je vous propose un petit peu d'avoir vos réactions, que ce soit le chat ou Simon et Alex, sur ce transfert de Monsieur Gordon Hayward à OKC. On va parler à la fois côté OKC et à la fois côté Charlotte. Je redonne les éléments. Oklahoma City versus, enfin donc Gordon Hayward versus Davis Bertans, Treyman, Vasilije Micić, en attendant de voir les picks de draft. Alex, côté OKC, au début ça a vraiment sauté au plafond en voyant que c'était que Bertans. Après, avec le trade final, est-ce que t'es si content que ça si t'es le Thunder? Alors, clairement, peut-être que trois joueurs, notamment des Micić ou des Treyman, qui apportaient des petites choses quand même régulièrement dans le groupe. Mais quand tu vois sur la ligne arrière pour les postes de Treyman ou de Micić, que tu vois Kesson Wallace, comment il se développe bien. Oui. Tu as donc Shai Gilgeous-Alexander, qui est donc... en tête de la course au MVP pour moi. Oui. Je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec ça, mais voilà, il est là. Tu as donc Jelly Kesson Wallace, tu as Josh Giddey, à voir comment il fit, il y a des interrogations et tout en ce moment. Tu as Isaiah Joe qui rentre tous ses tirs. Bien sûr. Et donc là, tu viens ajouter à ça, donc tu enlèves Treyman et Micić, mais qui n'étaient pas non plus les joueurs les plus impactants de la ligne externe. Et tu ajoutes Gordon Hayward, qui joue 2, qui joue 3, oui, qui est un joueur polyvalent, qui sait shooter, qui est propre, c'est un joueur propre, qui des deux côtés du terrain a pas mal d'expérience et sait faire beaucoup de choses. C'est plus le Gordon Hayward All-Star connu et tout, mais dans le jeu d'OKC, si le ballon circule bien et qu'il y a des gros tirs à mettre en fin de boucle de passe, il va les rentrer, Gordon Hayward. Tout à fait, c'est autre chose que Josh Giddey. Ouais. S'il y a une mismatch de temps en temps, Gordon Hayward, en fait, s'il y a une mismatch, il va la jouer, il est intelligent. Comme OKC est une équipe qui joue intelligemment, elle va identifier la mismatch. Et donc, tu as un joueur comme Gordon Hayward qui peut punir. Tu as un joueur comme Gordon Hayward qui peut porter la balle et créer un petit peu pour les copains. En fait, j'aime beaucoup le côté expérience et polyvalence qu'il apporte en un seul joueur. Tu as un joueur que tu vas sortir du banc, ouais, et qui peut te... Il peut rentrer à la place de Shai, il peut rentrer à la place de Giddey, il peut rentrer à la place de Lugansdort. C'est extrêmement intéressant. Moi, j'aime bien. Je sais qu'on va me dire peut-être ils ont lâché un peu trop. Je suis même pas sûr. J'ai l'impression que ça améliore l'effectif, vraiment. Eh ben justement, Simon, moi, je te lance là-dessus parce qu'on a tendance à voir beaucoup de gens qui observent le Thunder en ce moment et se disent « Oui, c'est aussi un move pour libérer de la place parce qu'en fait, Gordon Hayward va devenir expirant, etc. Oui. » Mais on a souvent dit le Thunder ou les équipes jeunes comme ça, faut prendre le temps pour devenir contender. Le message qui est envoyé par Sam Presti, là,
c'est je vous donne les armes pour aller assez loin, non, ou pas? Si, si. Et en plus, je trouve que moi, il donne pas mal, mais il donne des joueurs, entre guillemets, c'est le deuxième paquet de ton équipe, c'est le bas de ta rotation. Ouais, c'est personne c'est, des 6, 7 même joueurs des 8, majeurs. Même des 8, pour moi, il y a quasiment. Man est à la limite. Allez, peut-être. Voilà. Ouais. Man est allez. 7, 8. Ouais, ouais. Alors que là, tu rentres un mec dans les 8. Là, tu rentres un mec dans les 8, d'accord. Voilà. Donc, tu gagnes évidemment. Et surtout, Gordon Hayward, il a une capacité, en fait, c'est un joueur très, très, très polyvalent. Oui. Qui est capable de défendre, on va dire, à peu près tout ce qui est entre 2, de 2 à 4, sauf... Et d'attaquer dans n'importe quel style. Et voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que le jour où c'est Guidi qui t'embête dans ton 5, ou qui ça va pas, tu mets Gordon Hayward à la place. Mais le jour où c'est plus, par exemple, un Ludort ou un machin, tu peux mettre quand même Gordon Hayward, etc. En gros, sauf Chet et Shai, je pense... Et encore que, il y a peut-être même un 5 sans Shai où ça fonctionne avec lui et Guidi par exemple à la création. Il y a des, y a des 5 marcher, très très méchants, des... tout à fait, avec Shai, Gilles Alexander, Jalen Williams, Gordon Hayward, Kesson Wallace et Chet Holmgren. Mais en gros, t'as 6-7 joueurs où t'as un nombre de 5 différents, bah, quasiment autant que te le permettent les maths en fait, tout simplement. Et t'as perdu pas grand chose. Et je trouve surtout que moi, il amène un truc, Gordon Hayward, c'est de l'expérience. Mais dans le style d'Oklahoma, qui est un jeu, c'est un peu particulier quand même le jeu d'Oklahoma, mais c'est beaucoup de la décision un peu à la volée, de la lecture de jeu. Il faut poser le terrain, le ballon voilà, au sol. Et je pense, je suis pas dans le secret des mais c'est une équipe, à mon avis, leur coach leur dit c'est 5 secondes maxi une balle avant que tu prennes une décision. 3 secondes une décision, 5 secondes pour exécuter, enfin au max, et tu le redonnes. Et bah ça, tout à fait. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler tout à fait avec Andrew Schlett qui gère pas mal le Thunder l'année dernière au moment de la draft. Et l'option numéro 1 pour n'importe quelle acquisition, c'est être un joueur capable de poser le ballon sur le parquet et être dans du decision making. Donc, Gordon Hayward rentre dans ce style. Ça, mais tellement bien. Après, ce qui sera intéressant de voir, c'est que j'ai l'impression que là, le Thunder, du coup, envoie un signal fort, c'est. On n'est pas juste trop jeune. We are serious about winning. We are serious about winning. Merci les Bulls. On en reparlera dans quelques minutes. et on va voir à quel point ils peuvent bien se débrouiller en playoff. Et puis cet été, bah Gordon Hayward peut quitter les books du Thunder financièrement. Et c'est là qu'on verra si OKC pourra être un acteur sur la free agency. Parce que si tu veux, Treyman, Davis Bertant, Misic, tu donnes Hayward à Mark Degno, tu lui ajoutes un joueur meilleur que les trois qu'il a perdu. Oui. Donc... Pour moi, dans l'optique d'une rotation raccourcie en play-off, ce qui va être le cas d'OKC, parce que là, si OKC ne va pas en play-off après cette première moitié de saison, c'est qu'il se sera passé une sacrée catastrophe, c'est mieux. Bien pour sûr. Moi, ça consolide ce qu'on voit, ils vont être là en play-off. Ils vont jouer sérieusement leur chance. Et assez fort, ça doit jouer avec l'avantage du terrain, tout à fait. Je pose la question au chat. Vous êtes 17 millions à être ici. On espère que vous êtes bien installés. Je rappelle les éléments importants. C'est jusqu'à 21h la trade deadline avec du bonus parce qu'on laisse quand même les gens être encore au téléphone s'ils y sont encore à 20h59. Donc, on va tout décortiquer. Ceux qui connaissent les trade deadline, vous le savez, il va falloir prendre le clavier parce que là, je vais vous poser la question. Quel est le prochain joueur qui est transféré ? Le prochain. Parce que vous le savez, là, on va atteindre la première demi-heure de cette émission. On a parlé beaucoup de Dejounte Murray côté Atlanta. On a vu des rumeurs sur du André Drummond, sur du Caruso. Il n'y a pas d'offre. Il y en a qui nous ont parlé de Andrew Wiggins. Je regarde un petit peu le chat. Il y en a qui me parlent de Wiggins, justement. Il y en a qui me parlent de Klay Thompson. Ça me semble être un peu compliqué. DeRozan qui est dans Bruce les rumeurs. Brown. Peut-être Bruce Brown à Toronto. C'est pas fini. Andrew Wiggins. Moi je dis Dorian Finney-Smith. Allez, Dorian Finney-Smith à ma droite. Là, Marx il prend les meilleures offres possibles pour tout le monde là. Donc moi, on a vu pour Moi je dis Bruce Brown. Allez, Bruce Brown pour Alex. Moi je vais partir sur monsieur André Drummond. Je pense que ça devrait bien se finir pour nos amis les Bulls. On continue un petit peu le tour des transferts. Hier soir, ils ont ouvert un petit peu les vannes et c'est notamment une équipe qu'on attend fort puisqu'ils sont en tête de la conférence Est. Mesdames et messieurs, les Celtics continuent leurs petits ajustements. J'en ai parlé dans les cafés, je voulais avoir l'avis de Simon et d'Alex. Simon, Xavier Tillman qui débarque à Boston, c'est une assurance Porzingis et Horford. Comment tu l'as vu toi quand t'as vu le trade? Moi je pense que c'est mieux que ça en fait. C'est mieux que ça. Je trouve que les gens prennent pas la dimension. Tillman, il commençait des matchs de playoff pour les Grizzlies régulièrement. Parce qu'il y avait Steven Adams qui était blessé. Mais il a commencé des matchs. Et mais tout. Il est bon, attention. C'est un très bon joueur. Défenseur en fait, très fort. C'est une garantie, c'est-à-dire que c'est un intérieur potentiellement titulaire que tu rajoutes à Porzingis et Horford qui peut remplacer n'importe lequel des deux si on a un des deux qui est intelligent. Et voilà, et en fait, déjà, moi je trouve qu'il remplit des rôles. En fait, il remplit à la fois, il conforte aussi le jeu de Boston, très intelligent, très bon connecteur en attaque. Vraiment, ouais. Hein, il lit bien les situations, les 4, tu sais, les fameux 4 contre 3 de l'intérieur, des trucs comme ça. Il est parfait là-dessus. Et c'est un peu un méchant, mais dans le bon sens, un dur. Et je trouvais, moi, que c'était le gros point faible de Boston. Ce qui me fait dire depuis plusieurs semaines, de genre, je sais pas pourquoi, mais Boston, il manque un truc. Je trouvais que c'était un peu ça. Je trouve que c'est une équipe, c'est difficile, je sais pas comment dire, mais le moment où Jimmy Butler et Adebayo, ils vont montrer l'écrou, qui répond en face à Boston, bah, je suis un peu content pour les Celtics, qui a un Tillman en plus. Qui est un mec un peu sale qui a un comme peu ça. Plus, un peu plus de réponse. Parce que
Oh, ça va quand même, les Celtics, il y a du répondant. Ah, il y a plus smart. Un peu. Bah, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu. Tatum, Brown, ils ont quand même montré des choses. Faut on les sous-estime à ce niveau. Je pense surtout. Non, je sais que je suis dur, mais je trouve que Tillman, c'est bien dans le. Il apporte ce côté un petit peu. Délire, mais je pense surtout que Tillman, il apporte le côté, genre, espèce de deuxième à leur Ford. Oui. Joueur terrien, intelligent, qui va faire la passe, qui va défendre son terrain, se battre au rebond et qui en attaque n'est pas un boulet. Qui va être malin, intelligent, savoir se mettre où il faut se mettre, savoir lâcher la balle quand il faut la lâcher. Il va pas, en gros, il va pas ruiner la fluidité offensive de Boston. Ils peuvent l'utiliser très vite, je pense. Et ça, en ça, c'est un très puis bon trait. Il est très basket des Celtics, quoi. On va, on va suivre d'ailleurs ce qui se passe du côté de Memphis parce qu'on sait qu'il y a eu des mouvements là récemment avec Steven Adams il y a quelques jours et là, Xavier Tillman, ça continue à épurer. David Roddy vient de partir. On en reparlera. Moi, j'en avais parlé un peu hier sur de Memphis. Alex, je te pose juste une question rapide. Boston, là, t'es Brad Stevens, t'as ton effectif, t'es numéro 1 de l'Est. Il reste encore un petit move à faire en 90 minutes ou pas? Parce qu'on sait que sur les ailes, il y a eu des rumeurs sur Boston qui aimeraient bien aller chercher encore un petit 6-8 défensif quand t'as pas envie de trop exténuer les Jalen Brown et Jason Tatum. Si t'es Boston, on touche plus à rien ou est-ce qu'il y aura encore un trade d'ici 90 minutes? Alors, est-ce que c'est un trade? Forcément, parce que qu'est-ce qui reste vraiment à aller chercher comme joueur, ça va être des joueurs avec des salaires un peu conséquents, genre des Bruce Brown ou des gars comme ça. Donc c'est compliqué. Il y a eu des rumeurs sur du Lonnie Walker à Brooklyn parce qu'ils ont une trade player exception. Ouais, notamment. Voilà. Alors Lonnie Walker, pourquoi pas. Moi, je suis pas sûr que Lonnie Walker bonifie tellement l'effectif des Celtics sans lui faire offense. Je te dis pas qu'il apporte rien, mais les Celtics doivent se construire un peu le banc. Si tu chopes Lonnie Walker juste dans le cadre d'une trade exception sans lâcher de joueurs, pourquoi pas? Ça serait la trade exception de Grant Williams, c'est ça? Grant Williams, ouais, c'était okay. Tout à fait. Pourquoi pas? Ça, oui, ça marche. Mais oui, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Donc, c'est Boston rajouter un trade d'ici. Un poste 2, un poste 3. Boston peut faire encore un petit move là, d'ici la fin de la deadline, ouais, bien sûr. Ouais. On va voir ça dans les 90 prochaines minutes. Je reviens évidemment sur les grosses actus, puisqu'on a démarré pied au plancher. À peine on se disait bonjour, on s'est fait la bise, il y a eu un transfert. Et pas des moindres. PJ Washington, mesdames et messieurs, on a vu les Hornets qui étaient dans pas mal de moves. On vient de voir Gordon Hayward bouger. On les avait vus balancer Terry Rozier du côté de Miami. Il reste encore du monde, peut-être du Nick Richards ou d'autres garçons. On sait que Miles Bridges, notamment via son agent Rich Paul, ont dit qu'ils allaient veto n'importe quel transfert. Miles Bridges qui est encore NBA, hein, même si c'est un scandale ou pas, ça après, c'est un autre sujet. Du moment qu'il n'est pas Phoenix, on est content. Ça me va. Ce qui est sûr et certain, c'est que PJ Washington désormais est à Dallas. Simon, les Mavs voulaient renforcer leur front court et pourtant, ils avaient signé Grant Williams cet été. Ça semblait être un super fit en termes défensifs, hein. 3 points trompé, et tout. Tout le monde est là, c'est super, super. Bah, et, en fait, Et juste pour te lancer là-dessus, Grant Williams, il y a eu quelques moments assez chouettes, mais c'est pas une très grande réussite, Grant Williams à Dallas. Donc, ils ont tout de suite fait start et quitter sans sauvegarder. Ils ont eu le mérite de pas tergiverser et de saisir une opportune trade en disant bah, tant pis pour toi Grant Williams, ça marche pas chez nous, bonne chance à Charlotte, à voir ce qu'il va faire aux Hornets et tout. Mais c'est vrai que dans la liste des recrues potentielles qu'on prêtait tous à Dallas, moi j'y croyais. Pour moi c'était un bon fit. Ouais, ça marchait bien, mais comme quoi des fois les fits et puis l'arrêté du terrain. Mais là je parle de cette trade deadline, on disait tous qu'en gros Dallas doit renforcer son front de courte. Ouais, bah là. PJ Washington, Gaffant, c'est quand même des titulaires NBA. Surtout que pas loin. Quand des titulaires NBA d'équipe dans de merde de l'Est. De merde, donc... Ouais, mais il y a Derek Lively, leur pivot, du coup, ils ont voilà. vraiment et trois coup, intérieurs. Et du coup, une rotation joueurs. Qui est mieux foutue, faudrait revoir l'effectif en complet. Et surtout, ils perdent là-dedans pas grand chose, voire rien, sans être désobligeant, parce qu'en fait, ils perdent Grant Williams, cette curie, voilà. Mais ils perdent pas Tim Hardaway Jr. Ils perdent pas les jeunes à la Josh Green et tout, ça aurait fait mal. Ils perdent pas Nike, évidemment. Junior, pardon. Ils ont encore Kleber. C'est pas mal. Gafford, hein, Derek Lively et PJ Washington. Et ils Dwight ont Powell. 4 joueurs. Avec Dwight Powell, ils ont 5 joueurs pour tourner sur les deux postes 4 et 5. Franchement, c'est on pas dégueu. À l'histoire de rotation à 8-9 en playoff, là, celle de Dallas, là, elle est sympa hein, si t'es au complet. Hein. Tout à fait. Pas attention, dégueu. Encore une fois, si les Mavs sont au complet, c'est toujours la donc grosse question. Un vrai poste 3. Exactement. S'ils sont là, présents le 15 avril et qu'il n'y a pas de problème, ce sera très compliqué. Mais les Mavs, en tout cas, ont fait le boulot. Prenez rendez-vous, mesdames et messieurs, vous le savez, Nico Harrison plus la trade deadline égale transfert. On l'avait vu c'est débarquer, au revoir Porzingis. L'année dernière, il a récupéré Kyrie Irving. Et là, cette lui, fois, il nous fait pour ça, trades. Il y a que ça qui le fait kiffer. Lui, ouais, mais tu, monter sais les trades. Mais tu sais qu'il y a d'autres qu'on aime bien pendant la trade deadline. Il y en a d'autres. Il y en a un qui s'appelle Danny Ainge et qui nous a fait aussi un beau transfert. C'est vrai. Obligé de parler maintenant, enfin, beau, en transition. Je veux bien avoir ton avis, tiens. Bah, beau dans le sens, il a quand même mis du sacré package. C'est pas juste trois fois rien. C'est qu'on a quand même Kelly Olynyk, qui était vachement demandé par beaucoup de contenders, qui a été ajouté à Ochai Agbaji,
Moi, j'avoue que perso, jeune joueur intéressant. Je m'attendais à ce qu'il soit dans le projet, mais apparemment non. Et du coup, il a dealé avec Toronto pour récupérer un premier tour de draft. Les Raptors qui en avaient promis plusieurs. Un premier tour de draft, voilà ce qu'il a récupéré. Sur, tout à fait, sur 2024. Otto Porter qui sera gentil d'aller sur le marché du buyout. Et Kyrie Lewis qui en est à sa sixième équipe depuis septembre. Donc, avis un petit peu à chaud. Moi, j'avoue, pour donner Danny le mien un Ainge, petit peu. Danny Ainge, il empile les pics encore. Danny Ainge. Et sur une masterclass, par contre, c'est important de voir que sur les dernières semaines, on avait eu des rumeurs sur Lauri Markkanen, mais le Jazz a été très clair. Si vous voulez Lauri, c'est contre un record de pics de draft. Ce serait genre 12 pics à la Rudy Gobert. Le Jazz, là, Alex, on l'a vu sur les derniers matchs, ils ont donné beaucoup les clés du camion à des Keyonte George, Walker Kessler, Markkanen évidemment, mais ils ont essayé de donner des minutes aussi à des Bryson Sabo, à des Taylor Hendricks. On voit une transition là un petit peu sur les jeunes. Est-ce que là le fait que Olynyk bouge, est-ce que ça veut dire aussi que Jordan Clarkson va bouger d'ici 90 minutes? C'est pas impossible. Si tu là de toute façon, c'est pas compliqué Si tu viens comme ça avec Jordan Daniel, je fais regarde, c'est un first pick. Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux avoir? L'autre il va être là, il va être au taquet. Un second tour de 2030. Il va être au taquet. Donc ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, ils développent les jeunes et ça marche pas si mal, ça arrive à gagner des matchs. Je veux dire, Utah est en bataille pour le play-in. C'est ça le pire. Donc c'est ça qui est intéressant, avec des jeunes joueurs encadrés par du Sexton, du Clarkson et tout. Mais est-ce que ces mecs-là vont rester? On va bien voir. Et pendant ce temps-là, ils continuent d'empiler des first picks avec des échanges et tout. Et on sait qu'à un moment, cette équipe du Jazz, on va se retourner, on va faire « Putain, ça y est, ils sont prêts en fait. » Ils ont trouvé un petit truc, bien sûr. Donc, moi, je... Pour l'instant, j'avoue, j'aime bien ce qui se passe entre le travail du front office de Danny Ainge et le travail du coach Will Hardy. C'est vraiment très intéressant ce qui se passe à Utah, clairement. Très bien. Je vois que le chat me parle notamment d'un Patrick Beverley potentiellement du côté de Milwaukee. On va voir. Pour le moment, là, j'ai pas eu la notif, mais elle va tomber. Donc, ça doit être en train de se confirmer dans les prochaines secondes. Juste, Simon, je te lance sur un autre sujet en attendant de voir, parce que si ça se trouve, c'est Pat Beverley qui a lui-même breaké la news sur son podcast. Il y a une autre équipe là qui a fait du boulot. On parlait de Utah, c'était en échange avec les Raptors. Les Raptors ont fait du très gros boulot là, notamment on les avait vus avec du Siakam, du Anunoby. On les avait bougés dans tous les sens. On vient de les voir balancer justement plusieurs joueurs et un petit Dennis Schroeder qui a été envoyé aux Nets avec Thaddeus Young contre Spencer Dinwiddie. Juste, si je ne comprends rien aux Raptors et à Masai Ujiri là, tu peux me résumer ce qui se passe un petit peu? Tu le vois comment toi? Parce que ça bouge dans tous les sens. On est sur une sorte de reconstruction, mais sans toucher le fond non plus. Je pense que l'idée n'est pas tout à fait d'être dernier de la conf et d'aller chercher un très haut pic, mais quand même de rajeunir l'effectif, déjà surtout. Si tu veux comprendre, regarde l'âge des partants et l'âge des arrivants. On est quand même sur un mec qui cherche du jeune. Là, je pense que la cible, c'était Ogbaji, clairement, dans ce trade-là. C'était Quickley au moins autant que Barrett, à mon avis, dans le trade d'Enix, parce qu'ils vont le re-signer, Quickley. Je pense. Ça fait partie du projet. Et voyez RJ Barrett. C'est le projet. Et Barrett n'est pas vieux. Il n'est pas vieux, mais les défauts qu'il a au Knicks, il les a emmenés avec lui à Toronto. Oui, je pense. Et moi, j'ai des inquiétudes par rapport à ce qu'il monte sur le terrain et par rapport au contrat qu'il a. J'ai des inquiétudes parce que je trouve qu'il y a vraiment des grosses limites de QI. Vas-y. Les Sixers envoient Patrick Beverley aux Bucks. Vous en parliez pas mal dans le chat. Ça y est, contre c'est officiel. On va voir quels sont les éléments. Mais ça veut dire, mesdames et messieurs, que Patrick Beverley et Damian Lillard et Doc Rivers. Alors ils se sont retrouvés évidemment avec Doc Rivers, mais ils se retrouvent aussi avec Damian Lillard. On s'en souvient quand ça clashait un petit peu dans la bulle avec la montre évidemment. Je vous montre ça tout de suite. Mais donc Pat Bev qui est envoyé du côté de Milwaukee, on le sait. La mentalité Milwaukee, de Pat Bev peut pas faire de mal. Ah, c'est contre Monsieur Campaign et un second tour de draft. Très bien. Voilà pour les infos. Bon, on sait qu'il devait y avoir du mouvement, notamment apporter un petit peu en défense. On va reparler de Toronto dans quelques minutes parce que j'étais en train de t'en parler, Simon. Les éléments pour les copains qui m'ont suivi notamment hier soir sur Allez Café. Milwaukee doit vraiment s'améliorer défensivement. Alex, c'est une équipe qui en attaque n'a pas du tout de soucis. Ils en avaient pas sous Adrian Griffin là, ça a moins bien marché. Ça va très bien avec Doc Rivers. On va voir. En fait, c'est une équipe qui, elle est bizarre leur saison. Elle est bizarre. Ok, on a compris, il y avait un truc humain qui passait pas avec Adrian Griffin et on a sous-estimé le départ de Stotts là en assistant. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc qui allait pas humainement avec Adrian Griffin. Yanis met la pression tout terrain dans tous les sens, donc il a obtenu. J'imagine, il est pas tout seul, Yanis, mais. On dit ça de LeBron, on dit ça de Lillard, on dit ça de Kawhi. Il n'y a pas de raison qu'on dise pas ça aussi de Giannis. Il a obtenu la tête d'Adrian Griffin. Il a Doc Rivers. On connaît les qualités, on connaît aussi les défauts de Doc Rivers. Il y a
quelques défauts. Oui. Et les Bucks depuis l'arrivée de... Enfin, c'est pas terrible là, les Bucks depuis 10 jours. Non, c'est sûr. Donc oui, Pat Bev, super, il peut t'aider en défense. Mais je pense que c'est plus profond le problème des Bucks. Ils ont 2 mois devant eux pour construire une dynamique et montrer qu'ils sont un vrai groupe dangereux comme on pensait qu'ils allaient l'être. Lillard l'a avoué là. Mmh. Il a des problèmes perso qui le travaillent et qui mentalement l'use et l'empêche d'être clairement à 100% et d'être bien. Dire, il a dit, il divorce. Il divorce. Pas super et, bien, un, quoi. Et un divorce, oui, 3 enfants et tout. Enfin, ouais, ça a l'air d'être galère. Ouais. Et donc, il est pas bien dans ses baskets. Ça fait beaucoup. Donc Milwaukee, ok, c'est bien. Allez-y, pas de bœuf, faites des trades et tout. Mais on sait très bien que le problème le plus profond, c'est construire un groupe. Il est là le sujet. En effet, on va voir ça. Simon, juste pour te lancer sur nos amis les Bucks, là, après ce que Alex disait, tu récupères Pat Bev. Bon, c'est sympa et tout sur le papier, tu vas avoir des super podcasts et en soi, il peut apporter un petit peu de toughness un peu à ce groupe qui n'en manque pas en soi avec certains garçons. Mais ah non, dis donc, c'est qu'il y a des. Il y a eu des. Tout à fait, il y a eu des rumeurs à un moment sur du Bobby Portis qui était hyper important dans le second unit. D'ailleurs, quand j'ai vu les rumeurs apparaître, j'étais là, genre, mais parce que c'est un joueur important en soi. Effectivement, en situation bizarre, c'est dur de Milwaukee, on sait pas trop si le mal est profond ou si c'est fini. Normalement, c'est censé être l'équipe sur le papier la plus sérieuse après Boston à l'Est. Et en fait, personne n'en est vraiment tout à fait sûr. On se pose encore la question, Milwaukee est-elle vraiment la deuxième meilleure équipe de l'Est? On peut poser la question aussi sous une autre forme, que d'ailleurs je vais vous le faire là. C'est quelle série de playoffs qui mène 3-1 et qui se font remonter? Est-ce que c'est un premier tour, un deuxième tour, une finale de conf ou une finale qui commence par mener 3-1 avec Doc Rivers, qui mène 3-1 et qui finissent par perdre? Je pense que là, le premier tour, ça devrait passer, mais attention. Hein. Attention. Mais c'est ça, je vous jure, c'est assez. Ça se trouve, t'as des Miami, t'as des Philadelphie qui viennent récupérer Embiid ou des trucs mais comme ça. Et à l'inverse, ça se trouve, ils vont en finale. On peut pas et non plus mettre ça quand même, ça peut fliquer, tu vois. Pour l'instant, ils ont pas une gueule d'équipe qui va en finale NBA pour l'instant. Et ça se travaille justement à la fois sur la prochaine heure et sur les prochaines semaines, parce que donc je rappelle, là il y a le marché de la trade deadline jusqu'à 21h pile, et après il y aura des choix à faire sur le marché du buyout. Donc là, sur les 80 prochaines minutes, on va vivre les trades ensemble. On continue le tour des infos pour les copains et copines qui sont là. Vous êtes quasiment 20 000 à être présents avec nous. J'en profite pour rappeler pendant cette respiration que vous pouvez retrouver. Ah bah tiens, il y a mon pauvre chouchou, il y a Harry Giles 3 qui est viré par les Nets. Ah bah fallait faire de la place. Ah là là, le petit chouchou de Simon Tamman. Au moins il a eu le temps de venir à Paris. C'est ça, il nous aura bien régalé à Eagles de retour en NBA. Juste les copains qui n'ont pas vu les éditions Cana qui nous présentent évidemment une édition de luxe de Slam Dunk avec des pages magnifiques notamment en couleur. Regardez, c'est incroyable, vous pouvez les retrouver dans vos librairies préférées notamment chez Cana. Ça va être de la bombe et en mars il y aura un volume 2 qui sortira. Ça va être très très stylé. On enchaîne pour faire le point un petit peu sur tous les transferts. Il y a une équipe qui est très très bien classée dans la conférence Ouest. On a parlé du Thunder. Mmh. On parlera peut-être des Clippers par la suite avec du PJ Tucker. Alex, Simon, je me tourne d'abord vers toi Alex. On avait des certitudes défensives au niveau de Minnesota tout à fait et des Wolves. Mais on avait un peu des dents qui grinçaient lorsqu'on avait les minutes sans Mike Conley. Ils ont été récupérés Monte Morris dans un trade notamment contre Shake Milton qui n'a rien fait, Troy Brown Jr. et un petit second tour. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est la pièce idéale pour essayer de remplir ce banc puisqu'ils ont quand même Kyle Anderson, Nick Alexander Walker et Naz Reid pour ne citer que. Toi tu l'as évalué comment quand tu as vu ce trade? J'aime beaucoup même. Je pense que le profil est très bon. Maintenant, Monte Morris, il a galéré tout le début de saison à cause d'une blessure. Oui. Donc en fait, on a un tout petit échantillon de Monte Morris sur cette saison. En revanche, on l'a vu faire avant, notamment à Denver, où il tout était déjà meneur remplaçant et il faisait déjà grave le boulot. Ouais. Je pense que là, Minnesota vient de récupérer un joueur qui est capable de défendre. C'est pas sa spécialité, mais il peut être honnête. Ouais. Et puis en plus, ils ont trop de bons défenseurs autour, donc ça va le faire. Et surtout, un joueur qui peut tenir le ballon sans trop le perdre, qui sur des temps de jeu relativement courts est capable de te mettre ses 8, 10, 12 points à des pourcentages propres. C'est pas un croqueur, c'est pas un mec qui va faire n'importe quoi avec la balle, il va la lâcher quand il faut la lâcher. J'aime beaucoup ce qu'il apporte. Il peut jouer en backup de Mike Conley sans aucun problème. Si Mike Conley est un peu blessé ou quoi, il prend la main à côté d'Anthony Edwards et ça te fait une paire d'arrière tout à fait respectable. Je pense que c'est une très bonne pioche. Moi je l'avais mis avec Tyus Jones, je l'avais mis dans les deux cibles que les Bucks, que les Wolves devaient avoir en priorité. Ils en ont une, ils ont Monte Morris. C'est les deux, je trouve ça vraiment propre. C'est les deux meilleurs renforts possibles. Moi j'irais même plus loin que toi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, parce que j'avais toujours un doute sur Minnesota, c'était la main. Dans le sens où à la fois t'avais personne, t'avais Milton, mais c'était instable derrière Conley.
Et je me disais, sur l'usure des playoffs, une première série en 6 matchs, une deuxième en 7, et ça tapait Conley tous les deux jours, 40 minutes, machin et tout. Là, ça, t'as monté Maurice, c'est pas mal. T'as monté Maurice, et là, je me dis, est-ce que. On en reparlera. Mais ces petits moves où en playoffs, tu vois la différence, là, on est en plein dedans. Il va gagner un ou deux cartons hyper importants, monté Maurice. Mais pour ça les se trouve, Wolves. Ils gagnent un tour de plus, ils vont un tour plus loin en playoffs. Et grâce c'est à ça. Et c'est en ce moment, justement, quoi. Que les Wolves vont devoir faire quelques moves. Attention, on surveillera Kyle Anderson jusqu'au buzzer parce qu'il était dans quelques rumeurs de oui, transfert. Mais normalement, ça devrait tenir, notamment pour faire des jolis checks avec Rudy Gobert sur le banc. C'est quoi que j'entends? C'est le silence? Qu'est-ce qui se passe côté Lakers là? Allô, 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 on va parler un petit peu de nos amis les Lakers parce que pour le moment. Il y a plusieurs équipes là, il y a plusieurs équipes, silence, là, où ça pionce, hein, ouais. Les Bulls, les Lakers, les Warriors, parlons tout de suite de Los Angeles. Ouais. Je sais que la Laker Nation est dans le chat, les fans des Warriors qui ont étrié justement les Sixers hier soir peuvent un petit peu bomber le torse, mais qu'est-ce qu'on va faire de Wiggins, etc. D'abord, Laker Nation. Alex, on avait eu des rumeurs, notamment sur du D'Angelo Russell. On a vu Jared Vanderbilt se blesser. On a eu des hésitations à ajouter quoi? Jalen Uchifino dans un deal contre Dejounte Murray? Est-ce que Rob Pelinka est en train de nous réserver un gros gros move là sur les 80 prochaines minutes? Ou est-ce que on va se retrouver avec des Lakers dans une heure et demie qui n'ont rien bougé? Alors, ce serait quoi le gros move? Les Lakers, les Lakers, les Lakers. Non, je vois. Les Pistons relâchent Kylian Hayes. Il est wave tout simplement. Excusez-moi, mais alors là, celle-là, elle est d'une violence. Enfin, je vois releasing. Excusez-moi, je vais devoir faire quand même la breaking news tout de suite. Oui, ça c'est sûr. Elle est violente. Les Detroit Pistons relâchent le numéro 7 de draft de 2021, Kylian Hayes. Il est libre. Ça y est, on avait beaucoup trop de joueurs dans le roster de Détroit, notamment dans le backcourt. Ils avaient 17 joueurs dans l'effectif. Ouais. On vient de voir Joe Harris être relâché. Kylian Hayes, la violence quand même, messieurs, dames. Juste Simon, réaction à chaud. Kylian Hayes est relâché. Je suis très surpris que ce soit, que ça se finisse comme ça, quand même. Même pas un échange et tout. En plus, bon, c'est con, mais le timing. Hier, il gagne aux Kings d'ailleurs. Ouais. Il a joué. Non, Ivy met 37 points. Et je me demande si ça a pas fini d'enfoncer le truc en mode. En fait, pour que les autres se développent, faut qu'un des deux dégage. Et c'est violent quand même quand t'es pick 7. Après, c'est déjà en 2021. C'est dommage aussi parce que je rêvais d'un 5 où il y aurait eu Gallinari, Fontecchio, Fournier et un autre mec, juste pour rigoler, tu vois, deux Français, deux Rital sur le terrain. Je sais pas si ça fait rêver les fans de Détroit quand même. Non, pas du tout. Voilà, là, les fans de Détroit, de toute façon, cette année, elle est. Je pose la question, excuse-moi, en face là, à Alex, à Simon et évidemment à tout le chat. Je pose vraiment la question. Je sais que c'est à chaud et parfois c'est comme ça avec la trade deadline, mais Kylian Hayes, NBA ou on va aller jouer en Europe? Non, NBA encore. Ah ouais? Moi, je pose la question. Bah, on va voir. Du coup, là il est agent libre. Enfin, il est sans contrat. Là, il est sans contrat, je crois. Hein. On va attendre les détails, mais on va voir ce que ça donne. Est-ce que il faut se relancer là dans une équipe de NBA où on l'a vu à Détroit, pas l'environnement le plus chouette plus pour pouvoir bosser. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que Kylian Hayes a montré en NBA. Oui. Quelle équipe va se dire yes, je vais prendre à pas cher ce jeune pour miser sur lui? Les Spurs. Ouais, oui. Pourquoi pas? Mais non, sinon, en fait. La vente, là il a comment dire, le fait d'avoir été à Détroit, je pense c'est un énorme avantage pour lui, c'est-à-dire que pour plein de gens tu dis non mais c'est lui ou Détroit, on sait pas. Donc en fait, on veut bien payer pour voir. Oui. S'il avait été comme ça, il vient de Détroit, se faire couper par la moins bonne équipe de la mais ligue. Mais ça reste un pick 7, c'est quand même pardon, du talent, c'est pas cher. Il s'est pas fait couper par les Clippers, hein. Franchement, je serais surpris que les Spurs ou une équipe comme ça. C'est chaud, ou... c'est chaud. Moi, je pense qu'il y a une spot à Châteauroux, il y a un roster spot quoi, à Châteauroux. Je pense qu'il y en a. Ça peut être bien pour qu'il y en ait. Après par contre, ça peut aller vite, mais je pense qu'il y a encore une ou deux équipes. Là où je te suis Simon, c'est que je pense quand même que là si je pose la question de manière un peu provocante, c'est parce qu'on est à chaud, mais évidemment, moi je pense qu'il y a des franchises qui vont se dire merde, il a évolué aux Pistons. Ouais. C'est un garçon qui est bon dans la distribution et défensivement, où il y a des gros gros soucis au scoring, ça c'est indéniable, au shoot, dans les choix, dans la mécanique, dans tout. Et donc je pense que des franchises vont se positionner et se dire ça reste un top 10 de draft, oui. Il faut essayer de le développer, mais Kevin, c'est violent, c'est rare. Moi je suis sceptique, ça. Les gars, je Kevin le Knox, dis. On a encore quoi, donné je sais même pas c'est souhaitable pour Kylian Hayes finalement. Ah ouais, ok. Bah, y a un moment donné où si tu n'arrives pas à percer en NBA, ça, c'est pas une honte. Non, je comprends ce que je veux dire. Tout à fait. Et. C'est non, peut-être ça, mieux. Ça, on est complètement c'est d'accord. Quand tu te fais couper par la moins bonne équipe de la ligue et que la concurrence, ok, elle est réelle, mais elle est pas non plus. Genre, ça va, ouais. Quoi. Tu vois, genre, il est pas en train de jouer derrière Kyrie Irving, Luka Doncic, ou tu vois, voilà. Donc, il y a un moment où peut-être que c'est mieux pour Kylian Hayes. Il est encore jeune et tout, qu'il aille jouer dans une bonne équipe de Euroleague, qu'il ait du vrai temps de jeu, qu'il s'éclate, plutôt que de faire le 14e joueur non utilisé dans une équipe NBA. Je suis absolument d'accord avec toi. Par contre, comment dire?
Je pense que ça n'arrivera pas dans le sens où une équipe NBA lui donnera encore sa chance. Peut-être. Tu as sans doute raison, même dans le développement à long terme de Kylian, ce serait peut-être mieux. Mais j'aimerais bien le voir. Moi, je serais son entourage. J'étudierais fortement ce genre de proposition. Si tant est qu'elle existe pour l'instant. Si tant est qu'elle existe, tout à fait. Parce qu'on va voir, il y a du gros travail d'agent qui va devoir être réalisé sur les prochains jours. On le sait déjà avec Evan pour savoir comment ça va se passer à Détroit. Et donc pour Kylian Hayes, qui en fait, quelque part, va juste croiser Evan Fournier. C'est vraiment deux Français qui vont se passer les clés de l'appart. Hein. Salut, ça va? Ouais, bah écoute, tu vas voir, cette ville est géniale. Puis attends, ça veut peut-être dire qu'ils vont peut-être pas wave Evan, en fait. Et peut-être que Evan sera conservé puisque pour le moment, il rentre dans les joueurs du roster. Ouais, puis il a plus une gueule de sixième homme qui peut un peu encadrer avec son expérience des Jaden Ivy en fin et tout ça. Enfin, tu vois, non, il n'est pas une player option, Evan, encore? Ouais, Evan, c'est une team option. Team option. Qui est justement dans les mimines de Détroit à 19 millions de dollars. Ils verront si justement ils le conservent, sinon ils feront de la place. Déjà que les Pistons se positionnent comme une des équipes qui a le plus de sous sur la prochaine free agency. On verra qu'ils vont surpayer. Ça sera très drôle. Fin de la parenthèse qui était sacrément violente. Alex, on parlait des Lakers là et on se disait, bon, il y a des Chris Haynes qui commencent à nous balancer que oui, ça va garder le même effectif. T'es une équipe mid, t'es les Lakers, t'as LeBron et AD, tu crois en quoi là? Moi, en fait, moi personnellement, si j'étais dans le fauteuil de Rob Pelinka, pense que je touche pas au roster. Le seul truc qui me fait chier, c'est que comme Jared Vanderbilt vient de se blesser, je pense quand même que, sauf opportunité incroyable de faire un trade, mais je commence pas à prendre Jalen Uchifino, D'Angelo Russell pour faire un Dejounte Murray. Je suis pas du tout persuadé de la pertinence de ce trade, c'est-à-dire de la pertinence d'avoir Dejounte Murray aux côtés de LeBron et AD. Je dis pas que c'est pas bien, mais je suis pas non plus convaincu que ça va être génial. Non, moi je me positionne et je reste tranquille, je regarde le marché des buy-out pour rajouter un poste 3-4 d'expérience en remplacement de Jared Vanderbilt qui est blessé. Voilà. C'est tout ce que je fais moi aux Lakers pour l'instant. Je suis assez d'accord. Tu risques trop de perdre un trade et de le regretter encore plus parce que t'as un peu paniqué. C'est le bordel à l'Ouest. Et puis s'ils arrivent à avoir une petite dynamique de fin de saison, l'an ils dernier, vont arriver en playoff. On peut le faire. Regarde, on l'a fait, on peut le refaire, ouais, je pense. Moi je suis d'accord. L'équipe est pas moins bonne que l'an dernier. Hein. Non, et c'est d'ailleurs dans ce sens, Simon, qu'ils ont fait les prolongations de cet été. C'était. Elle est censée même. Oui, ils étaient contents. Enfin, on était les premiers à dire, ils sont quand même allés en finale de conf, ils ont leur noyau, cette équipe elle est super, on y va quoi, on y retourne. Tout à fait. Le début de saison était très mauvais. C'est un peu bizarre aussi, les Lakers, parce que par contre, ils ont fait des matchs très convaincants. Quand ils veulent, ils atteignent un sacré niveau de jeu. Ah, ok, ici, ils ont fait un match absolument exceptionnel. Les Clippers, ils les ont tabassés alors qu'ils étaient en forme. On rigole, mais pendant la coupe de France, là. Ah, le in-season tournament. Ouais. Tu veux dire de quoi il parle? Tu veux dire la Emirates? Ils ont montré un vrai gros niveau de jeu. Non, mais les Lakers, ils montrent quand ils veulent, si ils montrent un niveau de jeu. Ils sont à 100%. Ils se créent une petite dynamique. En playoff, personne n'a envie de les jouer. Personne. Oui, voilà. On est sûr et certain. 19h52, dans quelques minutes, je ferai le récap. Je sais qu'il y en a plein qui le veulent. On va pouvoir faire un gros récapitulatif des transferts qui ont pu avoir lieu. Mais oui, les Lakers font partie des équipes qui justement doivent bouger. Simon, je sais qu'il y en a qui ont posé la question au début et qui viennent nous rejoindre. Les Kings, on a fait un joli road trip, ça bouge pas. Oui, j'ai vu dans le chat, je veux pas d'Andrew Wiggins, les gars, démerdez-vous. On avait vu des rumeurs notamment sur du Andrew Wiggins à Sacramento. Je sais pas, j'ai vu dans le chat au tout début là, Wiggins ça plaît à Simon, ben non. En fait. On avait vu des rumeurs sur du Harrison Barnes, du Davion Mitchell notamment et du Kevin Werther. C'est les joueurs transférables. Ça bouge pas, qu'est-ce qui se passe dans l'heure qui arrive? Je pense pas, je pense qu'il y avait sans doute l'idée de bouger Harrison Barnes. Et du coup là, comme l'a avoué malheureusement Sabonis, ils se sont divinés, on lui donne plus de ballons, on essaie qu'il fasse des bons matchs et tout. Et je pense, je reprends la vanne que j'ai vue dans le groupe, je crois que c'est Antibasketix qui l'a fait, ou c'est un des membres du groupe Kings, du groupe français Kings, mais qui dit en fait à la fin le seul GM qui s'est fait avoir par les perfs de Barnes, ça va être le nôtre, on va le garder. Ah bah Monte McNair, je pense que c'est assez vrai. Et en vrai, tu l'auras pour les playoffs. Si c'est pour perdre un trade maintenant, regretter de donner Mitchell et tout. Je pense que un vrai trade aurait été un Kuzma, pas Kuzma justement, lapsus, un Siakam ou un truc comme ça. Siakam apparemment voulait pas venir aux Kings parce qu'il voulait pas signer cet été, tout ça et tout. Ouais. Et un trade à la marge pour faire un trade à la marge, je pense pas. Je vois pas trop. Non, mais j'entends, mais les Kings là, on retrouve un petit peu de leur mojo. Alors qu'il y a des besoins. Hein. Non, mais il y a des besoins. Défensivement, on est des peintres. Bah là, on le voit juste, je le montre dans la conférence Ouest juste pour en parler rapidement. Si tu es Sacramento, là, très clairement, tu regardes le classement, tu vas commencer à observer des équipes qui sont au-dessus de toi. C'est le bon classement, ça? Oui, attends, je fais juste un instant. Ah oui, parce que vous avez perdu cette nuit. Ça va assez vite. Tu regardes Sacramento, tu te dis comment est-ce que tu fais là au premier tour? Est-ce que vraiment, si tu affrontes le Thunder, les Wolves, les Nuggets ou les Clippers ou même les Suns, tu vas pas encore repartir avec une super régulière qui finit? Avec super régulière. Je veux dire, tu vois, 45-50 victoires. C'est là que ça prouve que l'année dernière, il y avait un peu une anomalie mathématique. Tout le monde était très serré. Le jeu des victoires a fait qu'on finit 3ème, avantage du terrain et tout. Mais c'était
un peu trop presque par rapport au niveau de l'équipe. Cette année, c'est peut-être un poil dans l'autre sens. On est peut-être mal payé sur ça. Vous êtes moins consistant. Voilà, vous êtes mais moins on mérite pas l'avantage du terrain. Vous êtes moins régulier. Hein. Non, mais on l'aura pas. Mm-mm. Et du coup, en fait, on va être éliminé au premier tour, sauf que cette fois, ça ira pas en 7 parce qu'on n'aura pas l'avantage du terrain. C'est ce qui va se passer. Ah bah c'est... Sauf miracle ou exploit. Sauf miracle. Et je pense que cet été, il faudra se poser des vraies questions que nous, on commence à se poser. Jusqu'où tu vas quand ton. Le troisième meilleur joueur des Kings, troisième ou quatrième, c'est Monk Murray. Ça doit être l'explosion de à un moment où jusqu'où tu vas quand t'as Fox Avenue, ce qui est très bien, All-Star sur le papier, on va dire, même s'ils le sont pas et tout, mais bon, vrai duo. Mais ensuite, comment tu bouges, comment tu augmentes. Eh oui. Et je me serais même pas surpris qu'il y ait des décisions drastiques à la Liberton qui soient prises et tout cet été. Je serais pas surpris du tout. Ah ouais. On verra. Ouais, okay. Je suis pas sûr qu'on garde le même noyau dur, moi, cet été, tu vois. Ce qui est sûr et certain, c'est que la NBA va très très vite. Alex l'a souvent répété avec Simon, que ce soit en apéro ou en live. 19h54, dans quelques minutes, je fais un petit récap de tous les transferts. On a parlé des Lakers. Je vous propose de parler d'une autre équipe qui... fait un petit peu dans son slip, hein, excusez-moi, hein, sur cette saison, les amis Warriors qui ont gagné hier soir assez largement face aux Sixers, qui étaient malheureusement orphelins de beaucoup de joueurs importants, dont Joel Embiid. Golden State, on a vu la saison, ça va pas du tout. On a eu l'émergence de Jonathan Kuminga qui se confirme. On a eu des rumeurs sur notamment du Andrew Wiggins, sur d'autres petits garçons. Alex, le chat, on est Golden State, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il va y avoir un trade de Golden State là, ou est-ce que, comme Steve Kerr l'a dit hier soir, en toute détente, sans trembler du menton, avec cet effectif, non, on peut faire quelque chose cette saison? Non mais, il faut qu'il arrête ça, Steve Kerr. Et ils ont fait le même coup l'année dernière. Ils étaient là avec Klay Thompson. We are right where we want to be. On est exactement là où on veut être et tout. Ouais, bah, on a vu. Ils ont eu de la chance de faire les Kings en 7 avec un Stephen Curry qui en a mis 50, incroyable et tout. Stephen Curry fait encore une très très bonne régulière. Je crois qu'on peut pas en dire autant de Klay Thompson. Non, c'est sûr. Et je crois qu'on peut pas en dire autant d'Andrew Wiggins. De Draymond Green. Draymond Green, bah, le problème c'est qu'il a été trop suspendu. Quand il est là, il me gave. Hein. Il est relou, il a des sales gestes, mentalité, je déteste. Mais il faut reconnaître que quand il est là et qu'il est un peu en jambes, c'est un des 4-5 meilleurs défenseurs de la Ligue. Hein. Ouais. Il n'y a pas à tortiller du cul, même encore cette année, quand il est vieux et tout, c'est assez incroyable de voir l'impact fou d'un Draymond Green qui peut empêcher un drive, venir contester sur le grand. Enfin, franchement, c'est un leader de défense absolument magnifique. Golden State a besoin de lui pour s'appuyer, mais Golden State paraît plus limité, paraît moins athlétique et surtout... J'ai un peu du mal, je comprends que Steve Kerr veuille faire un peu de la langue de bois, genre ça va et tout machin, mais j'ai un peu du mal à croire que cette équipe qui galère là depuis 45 matchs va tout d'un coup, avec les mêmes joueurs tous vieillissants, se mettre sur la bonne dynamique. Et si tant est qu'elle arrive à se mettre sur une bonne dynamique, elle va battre qui après en play-off? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Donc j'ai... moi je pense toi, que... Toi tu crois absolument plus. En fait, je n'y crois plus. En façon Warriors, c'est-à-dire qu'ils sont là en train de dire ouais, on peut encore faire un gros truc. Klay Thompson, il fait regardez, quand on est là, il est encore en train de dire regardez notre bilan en playoff quand il y a Steph, Draymond, et moi. Normal, mais ça s'appelle vivre dans le passé. Ah, tout à fait, tout à fait. Ça s'appelle vivre dans le passé. Simon, et c'est rarement bon. Et Simon, toi là-dessus, sur Golden State, est-ce que tu penses qu'ils ont, entre guillemets, vas-y. Perdu un petit Utah Watanabe? C'est Alex, dans ça. La réunion, tout à fait, avec dans quel trade, dans le trade de Royce O'Neal, David Roddy, etc. C'est Memphis qui apparemment devait récupérer Utah Watanabe. Donc, Phoenix prend Royce O'Neal et David Roddy, voilà. Et lâche Watanabe et des tours de draft côté Brooklyn. Exactement, on va en reparler dans quelques minutes. Juste Simon, ton avis, parce que sur le chat ça en parlait là. Golden State, toi comment tu te situes? C'est compliqué, c'est toujours compliqué les fins de cycle là. Je pense qu'ils se demandent aussi comment terminer ça sans que ce soit trop moche. Ah ouais. Honnêtement, est-ce que tu vas jusqu'à transférer un du Big Three, enfin du Clay, pas Curry évidemment, mais est-ce que tu transfères Clay ou Draymond Green? Et si même ça, Curry, attention. Et ouais, non. Faut prévoir une autre sonnerie là, Boston. Et même ça, du coup, comment tu fais? Est-ce que le trade est vraiment gagnant? Parce qu'en fait, tu renvoies une image. Bon, est-ce que sportivement, ça mérite? Moi, je me faisais une réflexion il y a quelques jours là. Ils nous ont quand même, comment dire ça? C'est paradoxal, mais à un moment. Quand ils sont encore bons et qu'ils ont l'année de tanking là, enfin qu'ils font pas exprès mais qu'ils sont obligés de subir avec les blessures, ouais. Et qu'ils ont ce fameux truc genre on est encore de nouveau light silhouette parce qu'on a du Moody, Kuminga, le pic qui est devenu Wiseman, bon. Et en fait ça s'est un peu retourné contre eux. Ah mais... Parce qu'à vouloir avoir deux timelines, au lieu de se dire timeline. On a qu'une timeline et les mecs sont vieux et venez on va chercher un quatrième tant qu'on est encore là-dedans. Oui. Avec les pics, tout ça et tout, ce qu'ils ont un peu, parce qu'ils ont eu de la chance sur Wiggins, enfin de la chance, ils ont relancé Wiggins, avec, mais ils avaient des assets pour faire un trade en plus. Ah mais bien sûr, avec les pics. Ils ont toujours des assets pour moi.
Tu peux trader Wiggins. Ouais, mais tu peux mettre Moody dans un trade ou je sais pas moi Podziemski. Je dis pas que je veux voir seulement les voir partir. Ce que je veux dire, c'est que si Golden State a vraiment la volonté de lancer son renouvellement et pas une reconstruction, mais un nouveau départ, un rafraîchissement du roster, ont quelques assets spotables. Oui. Et vas-y, je t'en prie. Non, finir, et après, mais ce qui était transition. Marrant, c'était ils avaient leurs deux timelines, soi-disant, qui étaient, c'était l'idée, en tout cas, qu'elles allaient finir par se rejoindre. Oui. C'est-à-dire nos vieux vont être assez vieux, mais enfin vont décliner, tenir, mais vont tenir assez longtemps pour avec que nos jeunes. Jeunes. Et là, vous jeunes. Allez voir, on va de nouveau vous blaser c'est pendant c'est 10 ans. C'est compliqué. Et en fait, ça. C'est marrant parce que leurs jeunes sont bons, mais pas assez bons. Pas honnêtement, assez, pas assez bons pour soutenir les vieux. Et les vieux déclinent plus vite que prévu. Tout à fait. Surtout avec les artilleries qu'ils avaient, avec les pics de draft qu'ils pouvaient développer, c'est un petit peu compliqué. Juste une petite breaking news. Mais c'est pas un transfert, c'est juste pour vous dire que nous sommes 20 000 officiellement sur ce live. Vous êtes des choubidous, merci aux 20 000 personnes qui sont là, c'est incroyable. On adore parler de Yuta Watanabe. Road to 50 000. Road to 50 comme d'habitude. Merci à Onliax évidemment qui gère la modération comme un roi. Il est au fusil. Hein. Ah bah alors là. Il est au fusil. Vous arrêtez de dire les bêtises comme ça. Sinon faites gaffe. Ah, je le vois là, c'est du beau boulot ça. À Léon, c'est à Team Throne évidemment qui sont dans le coin. À tous les anciens et anciennes qui sont dans le coin. Je vais essayer de prendre ma respiration et de pas me faire spoiler. C'est votre jeu préféré à chaque deadline. C'est savoir si je vais pouvoir faire un récap complet sans me faire couper la parole. Il est 20h pile, plus qu'une heure avant la trade deadline. Hier soir, il y a les Celtics qui ont récupéré Xavier Tillman de Memphis pour essayer de renforcer leur front court. On a vu aussi Minnesota récupérer un bon petit meneur backup, on en a parlé, en Monte-Morris, direction donc les Wolves pour aider monsieur Mike Conley. On est passé par Indiana ce midi pour récupérer Buddy Hield de côté Philadelphie. Au revoir Marcus Morris. Au revoir notamment Furkan Korkmaz qui demandait son trade depuis 150 ans. On a eu un premier gros trade de la part de Utah. On sait que Toronto était très actif. Eh bien, preuve étant, ils ont lâché notamment Kyrie Lewis, Otto Porter et un premier tour de draft de 2024 contre eux. Kelly Olynyk, la légende canadienne qui est de retour dans son pays. On attend maintenant Dwight Powell, Shai Gilgeous-Alexander et Andrew Wiggins. Et donc, surtout, on a récupéré Ochai Agbaji côté Raptors. On a enchaîné avec OKC qui a récupéré Gordon Hayward en échange notamment de Treyman, Davis Bertans, un petit Vasilije Micić et des compensations de draft du côté de Charlotte. Très bon move de la part des Hornets. On en reparlera après avec OKC si Gordon Hayward revient à fond. Du côté de Dallas, deux très gros moves. A confirmé Daniel Gafford qui doit venir backer monsieur, j'allais dire Blake Lively. Non, c'est Derek Lively qui va venir backer justement. Et on a du PJ Washington aussi qui est venu du côté de Dallas, si je ne dis pas bêtises. Il est juste là. Énorme move auquel on ne pouvait pas s'attendre, celui de Grant Williams justement qui part en échange de monsieur PJ Washington avec donc Seth Curry et un first round pick. Bien joué, encore nos amis les Hornets qui ont fait le travail. Nouveau management à surveiller, hein. Enfin en tout cas nouveau propriétaire, et on va voir si monsieur Mitch Kupchak va partir. On aura l'occasion d'ailleurs de parler prochainement de Brandon Miller qui nous fait un travail en ce moment absolument exceptionnel avec les Hornets. On enchaîne le gros trade, le trade Cocorico entre les Knicks et les Pistons. Bojan Bogdanović et Alec Burks qui vont venir renforcer le banc des Knicks en direction des playoffs. Détroit qui fait du gros nettoyage. Quentin Grimes, très bien. Malachi Flynn à surveiller. Evan Fournier avec une team option la saison prochaine. Et Ryan Archidiacono avec deux secondes tours de draft. Détroit qui a fait du très gros travail. On les avait récupérés notamment Simone Fontecchio. Et on les a vus aussi eh bien, libérer. Ça, on s'y attendait pas forcément, mais libérer monsieur Killian Hayes. Ça, c'était quand même un sacré move de voir Killian Hayes être relâché comme ça, notamment aux côtés. Et ouais, regarde, tu vois, il y a Toto Griezmann qui m'envoie, salut Toto, qui m'envoie juste un petit message, cœur pour Anto Griezmann, qui me dit Killian Hayes, ben oui, Killian Hayes, ça y est, il est relâché. C'est quand même assez chaud de voir Killian Hayes relâché de cette manière-là. Donc, on a vu du gros boulot côté Pistons. Et si je dis pas bêtise, pour finir, Alex était très content de voir monsieur Royce O'Neal, attention si la page se charge, Royce O'Neal débarquer à Phoenix. Ouais, 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 avec content. Un peu de 3 points. On va voir Yuta Watanabe qui va partir du côté de Memphis. Et puis on a David Roddy aussi qui vient gentiment s'ajouter au roster des Suns. On a vu les Raptors enchaîner avec du Dennis Schroeder et Thad Young envoyé à Brooklyn contre Spencer Dinwiddie. Et je me suis même pas fait interrompre puisque on a eu pour finir monsieur Pat Bev qui est en direction de Milwaukee pour très très bien s'entendre avec monsieur Damian Lillard. Voilà pour le petit récap 20h03. Je me suis pas fait spoil. Non, mais je me suis pas fait joue. Oui. On sait maintenant que en fait les Suns envoient aussi tous leurs 3 plus petits salaires. Donc Bates Diop, Goodwin et MeToo dans le trade. Ah non, c'est comme ça. Keta Bates Diop, attends, c'est pas rien. Ouais, Keta Bates Diop, Jordan Goodwin, c'est ok, et Shimezi MeToo. Keta Bates Diop quand même qui est lâché par les Suns, hein. Bah il jouait pas beaucoup ces derniers temps. Ben ouais. En plus de Watanabe, donc ça risque en fait, de se retrouver à ce Brooklyn, que je comprends pas, je pense, dans le ce dans que la je dynamique. Comprends pas, c'est que où ça va, quelle est la répartition, je cherche là la répartition des joueurs. Si bah tu t'en veux. As deux à Memphis, deux à Brooklyn, je pense. Entre Watanabe, Bates Diop, Goodwin, MeToo. Bon,
Phoenix récupère Royce O'Neal et David Roddy, ouais. Un de Brooklyn et un de Memphis, ok. Ouais. Utah Watanabe, il va à Memphis. Non, si on ne sait pas bien. En fait. On sait pas. Ah, on ne sait pas. On sait qu'il est parti, qu'il partira, mais on ne sait pas. Mais en fait. Phoenix prend deux joueurs et en lâche quatre. Et il y en a qui vont aller à Memphis, il y en a qui vont aller à Brooklyn. Honnêtement, Watanabe, là j'étais en train de vérifier. Moi, c'est Metu. Attends, non, pardon. Memphis, Watanabe va à Memphis, c'est le seul, on le sait. Ah, voilà. Et les trois autres, on ne sait pas encore. On sait pas mais encore ils partent, qui va quoi. Où. Tout à fait. Pardon, pardon. De alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que celui qui me chiffonne un peu, finalement, c'est Chimedi Metu. Dans le sens où il était assez utile, son impact physique et tout, dans des bouts de match, cette espèce d'intérieur un peu grand et tout, ça me chiffonne un peu. Watanabe, à partir du moment où il ne rentre pas ses tirs cette saison, c'est chiant. Keta Betts Diop, j'avoue que il est pas inintéressant, mais il était moins utilisé ces derniers temps parce que parce qu'en fait il a du mal. Non mais c'est surtout une fois que l'effectif est au complet. Parce qu'on dit vous avez pas de banc, faut pas exagérer. Comment ça on a pas de banc? C'est ça, je comprends pas. Et donc en fait moi. Au complet, il joue plus quoi. Quant à Bill Booker, Grayson Allen, Kevin Durant et Nurkic, par exemple, mettez un 5 majeur, ça veut dire que du coup, t'as Eric Gordon, Josh Okogie, Drew Eubanks, t'as toujours Nassir Little maintenant, même si je suis pas son fan numéro 1, et tu as Royce O'Neal, et David Roddy. Donc en fait, ça te fait 10 joueurs dans lesquels il va falloir trouver un groupe de 8-9 pour les playoffs. On va reparler des Suns dans quelques minutes, évidemment. Juste petit point information, 20h05, il reste une heure à peu près. Pour les copains et copines qui ne connaissent pas la trade deadline, c'est jusqu'à 21h. Et là, hop, levez vos stylos, c'est comme les copies, on ne touche à rien. Hop, voilà, top chef, hop, tu lèves les mains. On dresse, c'est fini. Hop, on arrête. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que la NBA autorise quand même celles et ceux qui sont encore en train de parler de continuer des trades. Donc s'il y a un trade qui tombe à 21h10, on sera encore là, ça c'est sûr et certain. Maintenant, je vais vous lancer sur un sujet, parce qu'on a parlé des Lakers, on a parlé de Golden State, on reparlera des Bulls dans quelques minutes. Mais vous savez, Alex et Simon, qu'il y a un terme que j'aime bien utiliser à cette période de l'année. Ça s'appelle la course à l'armement. Lorsqu'on est tout en haut de la conférence, là, et qu'on a des petits moves à faire. On vient de voir Boston faire un move. On vient de voir Milwaukee essayer avec du Pat Bev. Les Knicks se renforcent. Philly, on vient de le voir avec Buddy Hield. Indiana a récupéré Siakam. On a des équipes comme ça qui sont pas trop en train de faire du mouvement. Et je vous pose la question, dans le haut, vraiment dans le haut, je parle notamment des Clippers par exemple, ou peut-être des Bucks un peu plus, ou même des Cavs qui sont en excellente forme, là ils défoncent tout le monde. Est-ce que vous voyez une franchise faire un move? Je parle d'abord du haut du tableau, donc notamment des équipes, je vous balance par exemple Miami, Orlando, est-ce que ça va bouger? Miami sont dans le haut du tableau? Miami vise en tout cas le haut du tableau. Ah voilà, c'est ça, parce que Miami ça vise. Ils sont pas dans le haut du tableau. Ouais, mais c'est un finaliste en titre non, qui a envie de viser fait, le genre, mois ils de... sont combien de ils sont septième avec le désir une fois en pleine forme. Miami, attention, quand ils sont en forme, ils nous font des bien sûr, des tout à fait. Mais la phrase commence toujours par quand ils sont en forme avec Miami. Ah bah ça, c'est chiant. Donc du coup, est-ce que vous voyez une équipe là? Je vous remontre un petit peu le classement. Miami qui a déjà fait Rozier il y a pas longtemps. Ils ont fait Terry Rozier, tout à fait. On a Denver qui pour un moment fait rien. Je vous lance par exemple, je sais pas sur les Clippers aujourd'hui, tout fonctionne, tout cartonne. Mais est-ce que PJ Tucker, Bones Island, Mason Plumlee, on va avoir quelque chose là? C'est-à-dire que les Clippers, si tout fonctionne, donc il y a un noyau entre ton 5 majeur plus tes mecs réguliers du banc à la Norman Powell ou Westbrook ou Tice là, qui en ce moment remplace très bien l'absence de Zubac, t'as pas envie de les toucher ces gars là Par contre, si effectivement t'arrives à faire un package avec PJ Tucker, Bones Island, et que t'arrives à enrhumer quelqu'un pour récupérer un joueur extérieur à peu près de qualité, expérimenté comme ça, je sais pas, à un moment j'avais vu des mini rumeurs sur Dorian Finney-Smith ou des trucs comme ça, tu vois. Oui. Ah, si t'arrives à enrhumer les Nets, évidemment tu fais un vrai ajout. Mais je vois pas les Clippers forcer. C'est un peu comme Cleveland pour moi. Cleveland, en fait, ils viennent de faire leur recrutement là. Retour de Garland, retour de Van Mobley. Bien sûr. Tes recrutements, ils sont faits. L'équipe cartonne. Pour moi, Cleveland, ils ont au moins 10 joueurs qu'ils ont pas envie de toucher. Donc après, comment tu fais pour faire des trades? Tu fais des trades avec tes bouts de roster. Donc de temps en temps, tu y arrives, mais c'est assez rare. Bah, c'est là qu'on va voir justement qui fait les petits moves. On vient de voir Xavier Tillman, on en parlait tout à l'heure, à Boston, qui peut ajouter sur certaines match-ups, par exemple. À la Montemoris aux Wolves. À la Montemoris aux Wolves. Toi, Simon, tu envoies une là de franchise où on s'y attend pas trop. Et... parce que faut comprendre ça aussi en NBA. La course à l'armement, c'est excuse-moi, mais je suis Milwaukee. Je viens de voir Boston récupérer un petit Tillman. Cleveland qui cartonne. New York est en train de renifler dans la nuque quand même de nos amis les Bucks. Toi, si tu es une franchise NBA placée dans le haut, là, c'est qui et quel coup de téléphone tu passes? Je réfléchis, mais Milwaukee, je me demande si, parce que Beverly c'est cool, mais je me demande si, parce que
je veux sauver mon truc, ma saison, je pense qu'elle est mal barrée. Et combien ça coûte Caruso, tu vois, par exemple? Ouh, c'est vrai, c'est quoi la valeur de Caruso? Combien ça coûte vraiment, là? Parce que les Bulls, ils font fuiter des trucs sur Twitter, ils sont gentils, genre, ouais, Caruso, c'est 5 piques. Alors, je peux te dire, Caruso, c'est équivalent au Giannunobi pour les Bulls. Ouais. Donc, on a vu ce que ça avait donné, c'était notamment du RJ Barrett et Emmanuel Quickly et du pic. Hein. Mais ça, c'est comme quand on commence une négociation et je te dis trois fois le prix que je veux à la fin. C'est peut-être pour ça que les Bulls, ils font pas de trade aussi, parce qu'ils sont peut-être un peu trop gourmands, sinon. C'est aussi des effets d'annonce. Et ça, on verra avec les fameux Karnišovas qui font un truc. J'appelle donc les Bulls pour Caruso et en même temps, j'appelle Sean Marks et je me renseigne pour Finney Smith aussi. Ils ont un peu craqué quand même, les Bulls. Caruso qui vaut la même valeur qu'Anunobi, il faut quand même rester calme, non? Moi, je discute, mais je vois ce que tu veux dire. Mais juste, petite info, je vais pas appuyer sur Breaking News, je le fais, mais vraiment, c'est. Détroit avait récupéré Daniel House, et c'est le troisième joueur qui se fait virer. Hein. Daniel House coupé, Joe Harris coupé, Kian Hayes coupé. La question reste entière, hein. Quel est le projet à Détroit? Ça, mon pote. Voilà, voilà. Vous avez plus que. Vous avez 5 jours. Ouais, c'est répondre à cette question. Moi, j'ai vu en fait, j'ai vu un gars qui a 18-19 ans là. Ouais. Et qui est déjà capable de faire 80% de Bam Adebayo. Oula, Jalen Duren. Bah moi je trouve ça incroyable, Jalen Duren. Il est fort, mais 80% c'est beaucoup. Je vais me décaler. 80% c'est beaucoup. Ouais, 80% c'est beaucoup. 60. 80, vous me laissez à 60. 80, ouais. Qui est à terme capable de faire 80% sur une jambe en fermant les yeux. Vous êtes dur. Non, il est fort. Il est fort, mais. Il est fort, mais chez les Pistons. T'as vu Adebayo? Mais oui, mais je trouve l'inverse. Bah bien sûr, non, c'est pour ça que je poussais le truc. Et je veux dire, dans 2-3 ans. C'est le troisième meilleur pivot de la Terre. Moi j'ai l'impression que dans 2-3 ans, c'est ça. Il y a combien de pivots meilleurs qu'Adebayo? Deux, c'est tout. Peut-être trois si tu considères qu'Anthony Davis c'est deux, un pivot. Deux, il met combien NBA de temps à Adebayo? Il met 3 ans à être All-Star? Je leur souhaite, hein. Je leur souhaite. Il est fort, mais grave. Ouais. Franchement, moi je le trouve. Mais bon, peut-être je me trompe. Mais il est très fort. Je suis d'accord, il est fort. Il est fort. Franchement, juste la compa, moi j'ai explosé. Oui, non, parce que j'étais un peu. J'aime bien pousser le bouchon un peu. Bien sûr, on aime bien. Mais je le trouve vraiment très fort, Jalen Duren. Au point où lui et Kate Cunningham, c'est un début de projet. Tu sais que plus Ozar Thompson et Ivy. En fait, bizarrement, ton truc de jeune. En fait, c'est bizarre. T'es nul. Mais par contre, tes 4 jeunes là, ils sont quand même prometteurs. Eh oui, eh oui. Non, mais je comprends. Moi, je préfère limite être ça que le projet des Wizards, par exemple. Ah bah. Au moins, j'ai 4 bons jeunes. Les Wizards, j'ai Jordan Poole, Avdija et pas de bons jeunes. Ça prend du temps. Bilal Koulibaly. Ah oui, Bilal Koulibaly. J'en ai un. Oui, pardon, j'en ai un. Non, mais tu vois, c'est paradoxal un peu quand même. Ce qui est sûr, c'est pour les copains qui aiment bien les trolls, il y a monsieur Nicolas Vucevic qui s'entend toujours très très bien avec Evan Fournier qui a envoyé ce tweet. Ça m'a fait très très rire. Ouais, il est drôle. Tout à l'heure. Freedom! Pour les gens qui ont déjà vu Braveheart, évidemment, puisque Evan est libéré, délivré. En tout cas, il est chez les Pistons et on va voir s'il va pouvoir jouer. On a fait un point tout à l'heure et je vais redemander au chat. Toi, tu avais dit prochain deal, Bruce Brown. Toi, tu as dit prochain deal. Finney Smith. Et moi j'ai dit André Drummond. Pour le moment, les trois sont toujours dans leur franchise. Je vous propose justement de parler de Chicago, parce que on s'est beaucoup moqué. On a beaucoup parlé de Karis Novas qui avait fait un très bon boulot à Denver, qui débarque à Chicago. Après, le ils projet... ont le destin contre eux. Enfin, je veux dire, Lonzo Ball. Chance, quand même. Désolé, c'est comme ça. Maintenant, le projet Serious About Winning. Alex, on a souvent parlé. Les Bulls là. Excusez-moi. Caruso, on peut en débattre tout à fait son réel DeRozan, niveau. DeRozan est en fin de contrat. Ils que se passe-t-il contre rien? Lâchez DeRozan. Franchement, c'est un truc. Ou alors ils vont le re-signer peut-être. Lâchez DeRozan à Philly. Ils vont pas le re-signer. Ou un truc comme franchement, ça. Ils peuvent le re-signer. Hein. Non, qu'est-ce qui se passe? Les Pistons, ils coupent quelqu'un encore ou pas? Non, c'est bon. Ils ont wave Daniel House et puis c'est tout. Ils vont wave Jalen Duren. Je vais comprendre tout ce que j'ai dit. Ma Bulls Nation, là, avec le tweet de Vucevic notamment, qui est encore à Chicago au moment où on parle. Si t'es Chicago, qu'est-ce que tu fais? On a vu Kobe White bien se développer. On a quelques minutes de Patrick Williams lorsqu'il n'est pas blessé et tout. Non, mais ta saison, tu crois en plus rien. T'aimes pas Kobe White? Faut me foutre un bouton rouge là-dedans. Ouais, moi ça me rend ouf. Allez voir les 30 premiers en 30 jours. Je pète un peu en face caméra. Bah oui. Non, parce que... Ils sont quoi? Ils sont 10e? Ouais. C'est quoi le projet? De perdre au premier tour du play-in? De voir la fille de DeRozan hurler. C'est ça le projet. Ils vont se faire fumer à Atlanta. Ils vont perdre à Atlanta. Tiens, on va en parler aussi des Hawks, mais les Bulls sont capables de perdre à Atlanta. Premier tour de play-in. Les Bulls, il faut qu'ils soient cool. Atlanta, c'était costaud. Hein. Il y avait Jalen Johnson. Trae Young était chaud. Je sais pas si quelqu'un en veut, mais si quelqu'un en veut, qu'il lâche l'expirant de DeRozan à une équipe. C'est intéressant. Ouais. Mais oui. Moi, je suis sûr qu'ils ont des offres sur l'expirant de DeRozan, mais ils font les gourmands. Ouais, ils font les Philly gourmands. Ou des trucs comme ça, je pense, ça pour les enquêtes. Et attention, si à 21h, t'es encore gourmand, et bien malheureusement, les Bulls vont se retrouver avec un DeRozan qui sera agent libre cet été. Et si tu perds à DeRozan contre Peanuts, après, si c'est quand même une sacrée bêtise. Pour Caruso, tu te bandes quoi? L'échelle de valeur. Non, mais c'est des enchères. Caruso,
pas mal de monde dit ça, c'est le trade qu'on attend tous un peu parce qu'il y a, y a la course à l'armement. Et dans la course à l'armement, il y a un peu la course à la, au Caruso. Et Caruso, s'il débarque, mais ouais, je suis ouais, totalement d'accord. Caruso, il débarque dans n'importe une franchise, dans contender, on ça change l'échiquier. Et à la fin, c'est le gros move de la soirée, c'est Caruso. C'est un, l'équipe qui va récupérer. Voilà, le problème, ça, c'est que les Bulls sont trop gourmands et qui demandent justement beaucoup trop en échange de Caruso. Et que oui, en effet, on peut toujours débattre de Anunoby versus Caruso, mais il a sur son dossier défenseur élite qui est champion et qui peut intégrer n'importe quel effectif. Mais attention à pas être trop gourmand. C'est ce qui fait d'ailleurs que Toronto a fait son trade assez rapidement pour OG Anunoby. C'est que si tu te rapprochais trop de la deadline, les offres, elles commencent à être dégueulasses. C'est ça aussi le problème pour Chicago. Donc là, Karnisovas, moi j'ai l'impression que la saison des Bulls dont on parlait déjà en tirant la gueule pendant les previews, j'ai même pas envie de reparler de l'hommage qui a été fait à la team de 96-17 là, avec les huées et tout, mais c'est un cauchemar là les Bulls, mais de A à Z quoi. C'est vraiment une horreur. Bah, ça illustre bien pourquoi on dit souvent, pour ceux qui ont... pas qui débarquent, mais qui ont un peu de mal avec cette notion, pourquoi le ventre mou, c'est le pire, en fait. Là, Chicago, je pense que c'est la pire situation à NBA, quoi. Mais là, c'est... Et puis surtout, Chicago, c'est vraiment c'est le ventre mou, par définition. Tu vois, bon, moi, j'étais optimiste peut-être un peu trop. Je pensais qu'ils allaient pouvoir trouver des débouchés à Zach LaVine. Visiblement, il n'y a pas d'offre ou très peu. Aussi, ouais. Bon, mais on peut comprendre, le contrat est assez gros. Mais là, l'expirant de DeRozan ou Caruso, oui, ça doit trouver des portes de sortie, ça. Tout à fait. Oui. J'ai pas vu, là, je crois, c'est Samir qui a envoyé 20 subs, là, d'un coup, là, comme ça, bam, dans le chat. Je sais pas qui c'est le MVP qui a envoyé ça, mais GG, un énorme cœur, évidemment, aux copains qui envoient des subs dans tous les sens. Samir Nasri, très bien, parfait. Non, je sais pas. Si, Samir, bah magnifique. Merci évidemment pour les subs dans tous les sens. C'est très très bien. On va pouvoir enchaîner et parler d'autres petites franchises qui essayent de faire le boulot. Atlanta. T'as dit essayer de faire le boulot et Atlanta dans la même phrase, toi ? Ouais. T'es un vrai fan. Eh, c'est un vrai fan. Mais ouais. Franchement là, respect. Bah oui. Il faut que ça bouge côté Atlanta. Équipe qu'est-ce qu'ils font ? Monstre du ventre mou, les Hawks, incroyable. Vraiment. On attend avec impatience le Bulls Hawks du premier tour de play-in. Le ventre mou. Celui-là. Le ventre mou, c'est dur à dire. Toujours. Le petit 138-134 là. Oui, tout à fait. Atlanta qui essaie de se battre avec plusieurs franchises pour lâcher du Dejounte Murray. On a vu les Pelicans dessus. On a vu des Nets dessus. On a vu des Lakers dessus. Attention, on nous dit que les Pelicans et les Nets et les Lakers, pardon, se sont rétractés d'un potentiel trade pour Dejounte Murray. Apparemment, Atlanta est gourmand aussi. Et c'est assez gourmand, tout à fait, contre Dejounte Murray. Atlanta, y a-t-il un trade dans les 45 prochaines minutes ou est-ce qu'il n'y a rien sinon ? Je commence à me faire une raison et à me dire qu'il n'y aura rien. Ah ouais, moi je pense qu'il peut y avoir un trade, mais peut-être pas Dejounte Murray. Peut-être ah d'accord, pas moi j'avoue que j'ai compris. J'ai surinterprété la question. Peut-être un petit DeAndre Hunter, un petit quelque chose comme ça. Capella. Capella, honnêtement, c'est pas un si petit trade que ça. Hein. Allez. C'est tout de suite un assez gros trade, Capella. Mais Capella, hein. En plus, il faut laisser Okongwu se développer et titulaire. Mais ça, je suis d'accord, mais Capella, c'est pas un si petit trade. Qui va monter sur Capella et va offrir quoi ? Et je sais pas si quelqu'un en veut vraiment. Prix. Allez, là, oh, quand même, Capella, c'est quand même un pivot intéressant. Ouais, mais il faut prendre le salaire. Les Pels veulent pas de Capella. Ah, ils le veulent, mais à tout prix, Alex. Et Zion Capella, moi, je suis pas sûr de valider cette raquette. Hein. Au niveau spacing, c'est pas très 2024, quoi, Zion Capella. C'est ça le problème. Capella, c'est pas évident de lui trouver une équipe où tu dis ouais. Un peu compliqué, tout à fait. Un peu compliqué pour nos amis les Hawks qui, pour le moment, ont du mal à faire un transfert. C'est vrai que ça fait partie. Pendant un moment, je pensais que ça intéressait les Clippers. Eh oui. Tu vois, un Capella, ça peut être l'argent. Ah, oui, bien sûr. Tu vois, mais en fait, visiblement, il n'y a pas de traction. Tu donnes trop en échange. Il n'y a pas de traction, comme on dit. Ouais, exactement. Parce que c'est un vrai contrat. Hein. Tout à fait. Petit passage rapide, parce qu'ils font jamais partie des rumeurs. Ils gardent très très bien leurs infos proches d'eux. Et pourtant, c'est une équipe dont on parle souvent. Nos amis, les Spurs, qui font partie évidemment du bottom de la conférence Ouest. 10 victoires sur 51 matchs joués. Les Spurs, on a des rumeurs évidemment sur du Shady sur du Doug McDermott. On l'a vu, Simon, ces dernières années, les Spurs avaient envoyé du Derek White contre du futur premier tour de draft. On a vu du Jakob Poeltl contre du futur premier tour de draft. Pardon. Là, McDermott et Cedi Osman, malheureusement, ça n'a pas cette valeur-là. Est-ce que ça va bouger ou pas côté San Antonio ? Ouais, ou est-ce qu'il tape un trade plus gros pour un premier tour de draft, genre un Keldon Johnson ? Mais il faut voir les contrats. Ouais, c'est gros quand même. Ça serait tôt, non ? Ouais. Alex, ça bouge un petit peu, vous, les Spurs ? Je pense pas. Je demande au chat, transfert ou pas des Spurs dans les 45 prochaines minutes, parce que San Antonio... Osman, il a une valeur quand même, je pense, non ? Oh, mais même McDermott, en fait, ça rentre. Ouais, hein. McDermott aussi, ouais. Si tu lis la très très bonne interview faite par Yann Onona dans l'équipe de Popovic, là, oui.
tu te rends compte, tu te dis bah non, bah ils sont pas du tout en mood de faire des trades, sauf si effectivement il y a quelqu'un qui veut absolument partir Keldon Johnson et qui va te mettre genre je sais pas moi deux premiers tours de draft, ou tu vois un truc où tu dis ah ouais carrément en fait on lâche un vrai joueur mais en fait on renforce encore plus notre avenir. Mais je pense pas que ça soit le cas, donc non, pour moi les Spurs c'est silence radio et on continue aussi, à perdre des matchs tranquillement là jusqu'à la fin de la saison. Et on signe Kinanaïs. Et on signe Kinanaïs peut-être histoire de rigoler, un peu et avoir la French Connection. On enchaîne dans les franchises comme ça dont on n'a pas trop parlé. On les a vu récupérer, merci Derlius et tous les copains qui envoient des subs dans tous les sens. Cœur sur vous, vous êtes les goats de cette commu. On a parlé un petit peu des Rockets la semaine dernière qui ont récupéré Steven Adams. Pas là pour cette fin de saison, il est blessé. Donc on l'attendra pour essayer de faire bosser Alperen Şengün dans les prochains mois. Par contre, il y a eu des rumeurs sur du Jason Tate. Houston, je donne juste les infos pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, j'en parlais sur Allez Café et sur les réseaux sociaux. Houston veut vraiment retourner là vers le play-in et essayer d'apporter un petit peu d'expérience à ce groupe jeune, Alperen Şengün, Jabari Smith et compagnie. Si vous êtes les Rockets, est-ce que vous faites un dernier petit move ou la dynamique, ça va et on veut juste que tout le monde soit en forme? Ça s'essouffle un peu. Les Rockets hein. En ce moment là, il y a un gros coup de Van Fleet, c'est compliqué. Ouais, après je sais pas parce que j'ai pas trouvé si Van Fleet si incroyable que ça moi depuis le début de saison à titre personnel. J'aime bien mais c'est dans un registre précis quoi. Ouais. Donc je suis pas sûr que Houston ait intérêt là à cette deadline à bouger. Ils ont un petit coup de mou, mais faut peut-être aussi laisser le temps aux jeunes de digérer ce coup de mou. Jalen Green, au moment où on s'est mis à vachement le critiquer, l'autre il a sorti quelques matchs beaucoup plus sérieux tout d'un coup. On voit bien qu'Alperen Şengün, c'est un jeune joueur plein de talent autour duquel tu vas pouvoir construire une attaque, mais bon, faut un peu de temps. Ouais, Jabari Smith Jr., moi je trouve que ça marche bien à côté de Şengün, c'est intéressant. Bravo. T'as Dylan Brooks dans l'aile, t'as Amen Thompson là qui commence petit t'as même, à petit. Whitmore hein, aussi. T'as Whitmore. Moi j'aime beaucoup Whitmore ce qu'il apporte. Ouais, il est un peu trou noir là, il lâche pas trop sa balle. Et encore que, je l'ai vu faire quelques petits flashs moi sur des passes que j'ai trouvé intéressant. Et je trouve surtout qu'il a un truc à lui. Quand il veut aller au cercle, il va au cercle. Et en fait, dans cette équipe de Houston, c'est vachement intéressant où il y a beaucoup de joueurs qui aiment shooter, qui jouent smooth et tout. Je trouve que le côté physique, athlétique, agressif. Je défie physiquement l'adversaire de Cam Whitmore est super intéressant. Il a 19 ans. Ouais. Et alors c'est un athlète. Complètement. Donc moi je bougerai pas. Bah en fait leur saison est déjà réussie, donc pourquoi aller la mettre en péril par... Allez, bah si quoi. Allez. Un peu. Ça serait pour faire quoi en fait si tu bouges. Si ça dépend des trades que t'as après. Les Rockets c'est pas, vraiment mais... essayer d'aller chercher. Parce qu'en soi la place de Jason Tate elle est prise. Tari Eason se développe tellement bien que tu n'as pas besoin de Jason Tate. Et ça, d'accord. Et ça intéresse des franchises. Donc est-ce que tu le conserves pour Peanuts ça, ou est-ce que tu essayes de récupérer quoi que ce soit en fait? Ouais mais je quoi que pas ce forcément soit, je sais même pas qu'est-ce que tu voudrais vraiment récupérer en vrai. Mais ou en alors soi, des assets pour plus tard. Alors, tu peux en soi plus tard, mais je crois pas que derrière Alperen Şengün, Landale soit vraiment une super option. Ouais, et s'il a fait partie Landale avec Jason Tate, c'est vrai que si on doit identifier un besoin, c'est pivot remplaçant. C'est pivot remplaçant. Et Steven Adams ne peut pas encore remplir ce rôle-là. Donc, derrière Alperen Şengün, ils ont trade pour Adams. Mais ils ont récupéré Steven Adams avec quelques joueurs. Après, il est blessé. Hein, mais Donc, j'aimerais bien un pivot backup pour Alperen Şengün parce que là, derrière pour lui, c'est trop. Saison, ouais, pour la fin de saison. Peut-être. Un vétéran à aller chercher, ça serait pas. Non, t'as raison. Capella. Aller récupérer Capella, c'est trop cher. Oh, on peut s'entendre. Après, ils l'ont déjà eu, c'est la maison. Allez, ce qui est sûr et certain, c'est que pour les copains qui aiment notamment le cirque et les grandes activités, eh bien sachez que d'autres infos sont tombées dans la soirée. Ce sont évidemment les participants aux différents concours du All-Star Weekend. Regardez-moi ces belles têtes. Pour le concours de dunk, Jaylen Brown, qui va être un des rares All-Star à envoyer du gros moulin à vent. Raimé, Aimé Jacquet, qui va représenter le Heat. Jacob Toppin, à ne pas confondre avec Obi Toppin, qui va essayer de représenter évidemment la Knicks Nation. Et puis Mac McClung, le tenant du titre de G-League, qui va faire le travail. On a du shoot à 3 points! Aussi, pour les copains qui ne le savent pas, Monsieur Trae Young sera là avec, je cite, l'autoproclamé meilleur shooting big man de l'histoire, qui est Anthony Towns, Donovan Mitchell et Lauri Markkanen qui sont présents. Un très beau line-up. Hein. Damian Lillard, Tyrese Haliburton, Jalen Brunson, Malik Beasley. En fait, si je dis pas de bêtises, il n'y a que Malik Beasley qui n'est pas level All-Star. Parce que Brunson, c'est All-Star. Haliburton, c'est All-Star. Damian Lillard, c'est apparemment All-Star. Lauri Markkanen, c'était All-Star l'année dernière. Donovan Mitchell, rien à redire. Et qu'il y a Anthony Towns avec Trae Young. Je rappelle que pour celles et ceux qui posent la question autour de Stephen Curry, il sera dans un duel très attendu avec Sabrina Ionescu, qui a quand même envoyé ça va être un cool, truc monumental lors du dernier concours à 3 points WNBA. N'hésitez pas à aller checker ça la vidéo. Cool comme ambiance, quoi. Ah ouais, bien sûr. Mais c'est vraiment, c'est con ce que je veux dire, mais le concours de dunk est vraiment le truc le moins excitant du All-Star Weekend. Ça y est, en fait. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça, tu vois le panel, tu vois le fait que. Ouais, mais là, c'est un. Tu peux remettre les 4 là Les quoi les 4 dunkers là
les quatre déjà les quatre, je les ai enlevés. C'était Jaylen Brown, Raheem Jaquez, Jacob Taupin. Et McLaughlin là. Et Omar Sy. Et Loffin quoi. Non mais ça. Non, tout à fait. Ouais, non, c'est, franchement, c'est pour faire. Je sais pas. Je sais pas si à un moment. Ouais, faut... Bon. Il y aura peut-être des modifications à faire. Je finis juste la tournée des infos. Regardez-moi cette magnifique team du Skills Challenge. Il y a une team des top picks avec Paolo Banchero, Anthony Edwards et Victor Wembanyama qui va devoir faire une team face à la team Pacers. Évidemment, les locaux de l'étape, Tyrese Haliburton, Bénédicte Mathurin et Miles Turner. Et ensuite, eh bien, la team des All-Stars avec Scottie Barnes, Tyrese Maxey et Monsieur Trey Young. C'est tout à fait sympa. On verra sur le Skills Challenge ce que ça représente, mais bon, c'est toujours la même chose. Hein. On va s'amuser. C'est sympa, ce sera sur le papier. C'est dans 10 jours. Il y aura un petit break de quelques jours sans match. Tout le monde sera à Indianapolis. Et d'ailleurs, on en avait parlé un tout petit peu avec Simon. J'ai une grosse déception et je tiens à taper un coup de gueule très rapide. Les Pacers avaient une excellente idée en mettant un terrain de basket à l'aéroport ouais. Et on ne peut pas jouer. Ah bon, ah bon. On ne peut pas jouer sur le terrain de l'aéroport. Raison de sécurité, c'est juste pour le. C'est du display. Apparemment, il y a un mec qui a fait une vidéo qui a dit je voulais jouer et en fait ils ont tu ne peux pas jouer sur le terrain. Ah ouais, franchement vraiment, alors là c'est vraiment ah là, je suis dégoûté. La beauté du geste on va dire, mais c'est un peu dommage. Je crois qu'ils ne peuvent le pas jouer sur la déco. Mais c'est bête de ouais, pas c'est de la déco jouer. Quoi. Bah ouais mais c'est dommage. Oui c'est dommage mais c'est un aéroport en même Attends, t'as 3 heures d'avance. Oui ça je comprends. Alex mais c'est un aéroport merde. Quand même. Qu'est-ce qui se passe, j'ai 5 heures d'avance. Ouais. T'envoies un petit tweet, pick up et tout, c'est dommage moi je trouve. Ça aurait été assez cool de pouvoir jouer. Mais enfin, voilà. Les Pacers ont les retrouvera. Après, vu les tarifs des aéroports, est-ce qu'ils n'auraient pas fait payer la partie à peu près 70 euros de l'heure 14 euros, oui. La location du demi-terrain. C'est sûr et certain, on verra. Je sais pas. Ouais, non, c'est vrai que ça pose des questions de sécurité. Il y a un truc qu'on sait peut-être pas, il doit avoir une raison. On surveillera dans tous les cas. Le All-Star Weekend, ce sera à Indianapolis dans quelques jours. On aura donc tout ça avec même des petites équipes le vendredi soir entre jeunes où Bilal Koulibaly jouera avec Victor Wembanyama. Est-ce ouest pour vous les gars? Même si on s'en branle. Hein. L'Ouest. C'est vrai que c'est le retour de l'Ouest. Bah, sur le papier, l'Ouest, c'est quand même. Ça fait j'avoue, l'Ouest, sur le papier, n'est pas là. Mais l'Est va gagner. Ils ont une équipe incroyable, mais après, c'est pas un vrai match de basket. Donc, non, l'Ouest. Je pense. Ouais, bah, sur le papier. West Side. On verra ce que ça va donner en tous les cas à la conférence Ouest. Moi, j'ai râlé, j'avoue, j'ai fait le vieux con. J'ai râlé sur l'Ouest, là, ça me saoule. Pourquoi t'as râlé? Pourquoi? Bah, entre le niveau des matchs, je trouve, quand on. Bah, des fois, c'est violent je quand tu passes des matchs de la salle. C'est quoi qui te saoule? Tu râles sur toi? Je trouve que ça commence à être un peu trop asymétrique. Tu veux dire, c'est abusé parce qu'à l'Ouest, il y a trop des gros gars qui sont pas All-Star. Regarde les All-NBA team, regarde les snobs de la All-Star et regarde en face, t'as des mecs. Je sais pas, cette année, ça. Mais c'est pas que les Kings, je sais comment. Mais c'est pas que ça. C'est sûr. Moi, ce qui m'énerve, c'est le niveau de jeu aussi quand je vois des matchs. Puisqu'on est sur le All-Star Game et que donc voilà, on tombe dans les bas-fonds de l'entertainment. moi, ce qui m'énerve le plus, c'est tu vois, on fait voter les fans, après on fait voter les médias, on fait voter, les médias et les joueurs. Ouais. On obtient des 5 majeurs. Ouais. Et après, les coachs sont censés remettre de l'équipe dans tout ça et remettre une sorte d'objectivité pour sélectionner les joueurs. Ah oui. Et je trouve que c'est pas du tout le cas. On comprend que dalle aux critères. On se dit c'est moitié au mérite. En fait, c'est pas au mérite parce que si c'était au mérite, t'aurais du Gobert ou du Sabonis choisi par les coachs. C'est pas le cas. La popularité, oui, et encore, ça dépend. Le côté stat, bah non. Le côté est-ce que t'es performant cette saison, bah non. En fait, on sait plus trop. Ouais. Les mecs prennent comme ça des joueurs. Ça n'a plus vraiment trop de sens. Alors que finalement, même si le match en lui-même, le All-Star Game, on s'en fout un peu, c'est pas très important, c'est pas vraiment du basket et tout. En revanche, être All-Star dans un palmarès pour un joueur, c'est important. Il y en a qui a parlé de ça, là, qui coup, a osé dire ça, qui a dit galvaude. En fait c'est des millions. Bah, non, c'est alors il y a l'argent, mais même le palmarès, le côté reconnaissance de la part de tes pairs et de la part de tes coachs, c'est quelque chose d'important. On galvaude ça et on mélange un peu les choses. Du coup, ça perd encore plus de son intérêt. Si tant est que ça en avait encore un peu. Non, franchement, cette année là, on est vraiment tout en bas, là, je trouve moi. On va voir comment Adam Silver notamment s'occupe de ça dans les prochains mois, parce qu'on aura le All-Star Weekend à devoir réformer juste pour. Info 20h27, dans 3 minutes je fais un récap complet des transferts qui ont eu lieu. Là, pour faire un petit peu un point sur les actus, je rappelle que dans le haut de la conférence Ouest, regardez-moi cette bataille complètement zinzin, ils ont le même total de défaites, Clippers, Nuggets, Wolves et Thunder. Ça va être une bataille acharnée jusqu'au finish. Pour le moment, on voit des équipes qui se débrouillent bien. Il y a des équipes, comme on en parlait précédemment, qui ont fait leur trade deadline un petit peu plus tôt. J'ai envie de dire les Clippers, quelque part, même si on a parlé de PJ Tucker, Bones Island et tout. Les réflexions qu'il y avait à chaud, et nous y compris, hein, sur le fit James Harden, aujourd'hui, Simon, elles n'existent quasiment plus. Le Thunder, les Clippers, ça déroule avec Harden, Westbrook et compagnie. Hein. Oui, mais dans la même mesure où on était peut-être trop radicaux à dire « ça va pas marcher Harden », là, je trouve qu'on est un peu trop en mode… Ça défonce tout. Ça défonce tout. Ça reste la régulière. Mm-hmm.
C'est vrai. Je trouve par contre qu'il joue très bien dans le modèle. Et surtout Harden, c'est vrai qu'Harden est vraiment, là il faut le reconnaître, il a, c'est un bon playmaker, l'équilibre, il apporte du scoring, il a retrouvé son shoot. Mais c'est pas encore l'épreuve du feu quoi les gars. C'est ah non, 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 c'est... bien sûr. Non mais c'est prometteur ce qui se passe. C'est bien. Bah, c'est sûr que c'est mieux que les débuts. Non mais c'est sûr que c'est mieux que les débuts et que c'est très prometteur. Ils arrivent à attaquer, bien. À défendre, ouais, ouais. Ils arrivent à faire beaucoup de choses. Mais moi je trouve qu'à l'Ouest, ils font... maintenant ils ont rejoint ce wagon qui commence à être d'ailleurs assez peuplé. Pour un wagon d'équipe capable d'aller de sortir de la conf. Et regardez, parce que là j'ai mis le classement par conférence, mais si je vous fais de la ligue, regardez le haut du tableau. On a Boston qui est en haut, mais ensuite West, 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 West. C'est assez violent. Hein. 4 des 5 meilleurs bilans de NBA sont dans la conférence West, et c'est vrai que les Clippers sont rejoints ce wagon. Hein. Ouais, t'as un vrai groupe de 4, et dont les champions en titre évidemment. Denver. Et puis trois équipes qu'on n'attendait pas. Bah, les Clippers, si on les attend au début de saison costaud, toi tu les avais mis premier, je crois, de la conf. Ouais, Alex. Moi j'ai mis premier tous les ans. Mais honnêtement, Oklahoma. Je vais finir par avoir raison. Ouais, remarque, c'est le Philly de Bastien. Andrew Wiggins. C'est le Philly de Bastien. Mon Gérard d'or. Non, mais par contre, Oklahoma et Minnesota, plus la saison avance, plus non seulement. Bah, j'ai l'impression qu'ils vont pas descendre. Ouais. Déjà. Ils vont tenir le rythme jusqu'en fin de saison. C'est possible. Ouais, ouais. Ils vont avoir l'avantage du terrain, les deux et tout. Et. Ça met encore plus que l'an dernier le premier tour à l'Ouest. Il va être vénère, il va être violent. Enfin, ça va être très violent. Bref, on le dit à chaque fois, mais ça va être très violent parce qu'il y a des gens avec l'avantage du terrain. Ils vont devoir jouer Dallas, Los Angeles ou Phoenix ou des trucs comme ça. Mathématiquement, il y a Phoenix, Dallas, les Lakers, c'est je sais pas qui doit au premier tour quoi. Exactement. Et Minnesota quoi, tu vois par exemple, boum. Ouais. 20h29, je vais pouvoir commencer le récap. Je rappelle juste, je demande au chat une dernière fois, enfin une dernière fois, là une fois suivante, qui est le prochain joueur à être transféré? Alex a dit plutôt Bruce Brown, Simon a dit Dorian Finney-Smith, j'ai parlé d'André Drummond, on surveillera ça, il reste une demi-heure, pile poil, ça y est, 20h30, avant la fin de cette trade deadline, on a un moment là de flottement, vous l'avez vu là depuis une demi-heure à peu près, où il n'y a pas trop de transferts, on avait terminé il y a quelques minutes avec notamment du Q&A qui a été coupé, respiration et récap. Hier soir, on a démarré avec Boston qui a récupéré du Xavier Tillman en provenance de Memphis pour renforcer son front de court. On est passé à Minnesota pour booster le banc avec Monte Morris qui a rejoint Mike Conley sur le back court notamment de Chris Finch. Direction Indiana qui a vraiment ouvert le bal ce jeudi avec Buddy Hield qui rejoint l'équipe de Tyrese Maxey et on croise les doigts Joel Embiid dans quelques semaines. Marcus Morris, Furkan Korkmaz et compagnie qui vont en direction d'Indianapolis. On a enchaîné avec Toronto qui avait déjà fait du travail autour de Monsieur Pascal Siakam et OG Anunoby. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont récupéré Kelly Olynyk et Osha Ekpadji contre Kyrie Lewis, Otto Porter Jr. et un premier tour de draft. On va reparler des Raptors et on va reparler du Jazz dans quelques minutes évidemment. Oklahoma City qui a récupéré Gordon Hayward. On touche du bois pour que Hayward puisse rejouer sur deux jambes. Il y a des très très bons line-up à mettre en place. Qu'est-ce qu'ils ont lâché? Eh bien, du Davis Bertans, du Treyman, du Monsieur Vasili Micić et du pick de draft. Côté Hornets, dont on parlera aussi les Hornets, Washington a fait du boulot avec les Mavs et Dallas a décidé de renforcer son front court. Il y a des gens qui vont devenir riches, notamment Daniel Gafford et PJ Washington qui rejoignent Luka Doncic et Kyrie Irving. Très très intéressant les Mavs sur cette trade deadline, encore une fois gérée par Nico Harrison. Et donc je vous le montre là, PJ Washington qui débarque à Dallas. Au revoir Grant Williams, au revoir Seth Curry, Grant Williams qui avait été signé cet été. Alex en parlait avec Simon tout à l'heure. C'était une des signatures les plus discutées de cette free agency. Eh bien, ça n'a pas finalement marché autant que ça. Dallas qui garde quand même Monsieur Tim Hardaway Jr. On est passé par New York avec les Pistons. Gros move avec Evan Fournier qui rejoint donc Détroit. Quentin Grimes aussi qui viendra apporter son shooting. Malachi Flynn, Ryan Archidiacono pardon, qui rejoignent également le Michigan. Au revoir Bojan Bogdanovic et Alec Burks qui eux rejoignent un effectif de New York particulièrement blindax à quelques semaines des playoffs. Pareil, on va toucher du bois pour que Mitchell Robinson, Julius Randle et compagnie et OG Anunoby reviennent en forme parce que quand on aura les Knicks au complet, ce sera très intéressant de pouvoir les juger. On a basculé côté des trois, comme je le disais, avec trois joueurs qui ont été coupés, Daniel House, Joe Harris et puis Monsieur Kianeis. Quand même, ça c'est vraiment à la machette hein. Voilà, Troy Weaver coupé, découpé, quoi. Troy Cutter, voilà, on va l'appeler hein. Ouais, c'est très très violent pour les Pistons qui ont fait du gros nettoyage en récupérant notamment du Simone Fontecchio et on va suivre le dossier Evan Fournier dans les prochains jours. Toronto, je vous en parlais tout à l'heure, ils ont récupéré notamment Monsieur Spencer Dinwiddie. Pourquoi? C'est à vous de voir. Par contre, ils ont lâché Monsieur Dennis Schroeder et Monsieur Thaddeus Young, notamment pour faire de la place sur leur futur cap space, puisque Spencer Dinwiddie, si je ne dis pas de bêtises, va être un contrat expirant. C'est un contrat expirant. Donc, à suivre dans les prochains mois. Enfin, pour finir, Alex, forcément, a eu droit à un petit trade. On verra avec Simon et Bibi si les Kings et les Hawks auront un trade, mais il y a Royce O'Neal qui a rejoint les Suns pour une espèce d'affaire, comme on dit, un plan A3, hein, du David Roddy.
avec Memphis et Brooklyn. Entre gens bien élevés. Entre gens tout à fait bien élevés. Il y a eu du transfert en tous les sens. Au revoir Ketabase Diop, Shimezi Metu. Et un petit dernier, j'avais oublié. Et Watanabe. Watanabe qui va à Memphis. Ouais, c'est ça. Il y en avait un troisième. Jordan Goodwin. Jordan Goodwin. Il connaît son bout de bord. Évidemment. Et puis enfin, on a terminé avec donc Milwaukee qui a fait l'acquisition de Patrick Beverley. Je sais que notamment ça a discuté. Voilà Chris Haynes qui évidemment est le bras droit de Damien Lillard et qui a récupéré ses petits avis. Je t'ai pas dit un truc. Pardon. Il y a un rappel important. Si vous voulez vous faire ce récap peut-être reposé, il y a tout le récap qui est fait sur trashtalk.co. Évidemment. Écrit, comme ça vous pouvez le scroller, peinard, cliquer sur les liens, il y a des articles qui tombent, là je regardais ça. Toute l'équipe voilà, de rédac. Voilà, toute l'équipe est sur le pont. Exactement. Il y a tout le récap, vous pouvez vous le faire jusqu'au bout de la nuit. Tout à fait, toutes les informations qui sont gérées par l'équipe de rédaction, tu as parfaitement t'allais raison, Alex. J'allais dire quelque chose parce que je l'ai pas dit à Alex encore et il y en a qui le savent. Très bien, Jérémy Sohan qui va devenir un joueur de la team Panini là pour vendredi soir, ça vient de tomber. On a fait un voyage Trash Talk et j'ai eu l'occasion de voir notamment Suns Nets sur place au Barclays Center. Retour de Kevin à Brooklyn. Tout à fait. Et je voulais juste faire une dédicace aux copains, les 70 de l'équipe qui ont fait le voyage, parce que on est reparti à l'aéroport le dimanche soir et on a eu un super cadeau, moi et Ben. Ben, il a eu un maillot des Blazers offert par les voyageurs. Magnifique. Et j'ai eu un maillot de Nurkic aux Suns. Donc c'est pour te dire le niveau d'humour de la team voyageurs. Ah, je valide total. Total. Nurkic aux Suns. Incroyable. Avec les stats de Youssouf Nurkic, puisqu'il a quand même fait un 28-11-6, je crois, sur ce match. Moi je suis assez content de lui depuis qu'il est à Phoenix. Pour un moment ça va. Franchement moi pour un moment ça va. Mais juste un gros cœur aux copains de l'équipe, parce que ça franchement déchire. Incroyable. Ils auraient pu partir sur n'importe quel maillot. Je vais l'encadrer une fois que Ça déchire. Et le Portland c'était qui? Et le Portland il a mis Trash Talk avec numéro 24. Donc Ben propre, il l'a mis sur son bureau. Bon joueur aussi. Ouais, bon joueur. Très très bon joueur. Ce sont des cracks absolus. Magnifique premier voyage Trash Talk. Restez dans la cuisine. Ben qui donc est en souffrance puisqu'il est fan des Blazers et des Warriors. Ah bah là. Voilà. C'est un peu compliqué. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. Non mais voilà, donc j'aurai l'occasion de vous le montrer. Je pensais le porter pendant le live, mais je le mettrai une prochaine fois. C'était un cadeau magnifique. Il fallait que j'en parle à Alex parce que les Suns auront au moins vendu un maillot de Nurkic. Ouais. et c'est pour Bibi évidemment. J'étais complètement atterré au Barclays Center puisque Nurkic a fait un match incroyable et à chaque fois qu'il mettait un panier, franchement, il est sérieux. Non, il fait une bonne saison. Il fait une saison c'est solide. C'est du beau taf. On verra ça dans un playoff, évidemment, avec le Nurk au poste de pivot. Portland, on n'en a pas trop parlé. On a eu des rumeurs sur du Jeremy Grant Brogdon et du Malcolm Brogdon. C'est vrai que Brogdon, normalement, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'offre là, sur Brogdon? Parce qu'en fait, les candidats. Mais non, mais c'est un manque d'offres ou c'est une envie de Portland de faire le match? Peut-être Portland est trop gourmand aussi? Ouais, ou alors les équipes ont trouvé d'autres. Par exemple, Minnesota, à mon avis, quand tu voulais un meneur c'est remplaçant, moins cher. Ils ont C'est moins cher Maurice. C'est moins fort aussi, je pense. Les Nets voulaient un meneur, ils ont eu Schroeder là pour Dinwiddie et tout. C'est... Tu vois, donc il y a moins de candidats. J'avoue. Les gens qui voulaient un meneur, il reste pas tant que ça d'équipes. Non, j'avoue. Bien sûr, ils ont bien besoin sûr. D'un meneur remplaçant qui sont prêts à donner à Portland ce qu'ils veulent. Philly est allé chercher. Oui, bah, le problème, c'est que leur saison, là, en plus, avec la blessure d'Embiid, ils attendent un peu. Mais il y a un moment, il y avait des bruits de Philly aussi pour Brandon. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Du coup, ils ont pris Buddy Hield. Bon, c'est pas un meneur, mais c'est un arrière en plus. Alors, d'ailleurs, et ils ont Campaign. Tout à fait. Et info là-dessus, quand même très importante. Philly, ça a été dit dans les rumeurs qu'ils attendent de se positionner sur le marché du buyout pour récupérer Kyle Lowry, un ancien de la ville qui pourrait venir être backup de Tyrese Maxey. Kyle Lowry quand même en backup à Philadelphie, ça pourrait être pas mal. Qui retrouverait en plus Nick Nurse. Non, puis il ajoute Buddy. Je pense, on va voir ce qu'il communique sur Embiid et tout, mais on va espérer que l'absence soit pas trop longue. Bien sûr. Qu'il le récupère pour les playoffs et qu'il tienne la route, notamment grâce à l'apport un peu de Buddy et tout, pour pas trop dégringoler. Parce que là, ils ont chuté un peu, par rapport à ce qu'on disait au début, parce que là, on est sur une deadline assez calme et on en parlait. Oui, il y a des aspects financiers, il y a des aspects stratégiques, donc on a beaucoup de trades un peu middle sur des joueurs qui, au mieux, sont des bons role players. On n'a pas eu de trade sur des barbus ou de grands maigres qui ont demandé leur trade. C'est quoi le plus gros joueur tradé? C'est Pascal Siakam quoi, il y a deux semaines et quelques. C'est le plus gros joueur de cette trade deadline. Avec OG quoi, c'est les deux. Avec OG voilà. Mais effectivement, Brogdon avait bien le profil du genre de joueur qui intéressait des équipes pour compléter un roster avec un salaire abordable et tout. Il y a un trade à monter. Je suis assez surpris qu'on n'ait même pas vu plus de rumeurs. Tyus Jones aussi, tu vois, qu'on Tyus Jones, tous les dans Wizards, les meneurs remplaçants. C'est un peu le même délire. Meneurs remplaçants, les autres se sont servis, bah il y a plus de place pour Tyus Jones. Tout à fait. J'allais faire la liste justement et je vous propose d'y participer, là, les gens du chat, en attendant les prochaines bombes qui vont tomber parce que là ça commence à pioncer sévère. Faisons la liste un petit peu des noms qui vous viennent à l'esprit, là, des joueurs qui sont attendus. On en parle depuis des semaines. Tyus Jones, Malcolm Brogdon.
On a parlé d'autres garçons comme Bobby Portis aussi qui étaient potentiellement dans des rumeurs de transfert. Ouais, ouais, ouais. De manière surprenante, enfin en tout cas. Mais Dejounte Murray, évidemment, Demar DeRozan. Qui d'autre on a comme garçons comme ça qui sont attendus? Sadiq Bey, évidemment, et plein d'autres garçons. Bruce Brown, tu en as parlé évidemment avec André Drummond. Jordan Clarkson. Il y avait Clarkson. Du Kuzma un peu à un moment donné dans des rumeurs. Bon, il y a eu un peu ouais, des Je suis pas sûr que c'était hyper sérieux et tellement backé par des offres. Mais Dorian bon. Finney-Smith, que tu as mentionné. Oui, les Nets, en gros, tous les vétérans. Ouais, Dennis Smith Jr. Qui resterait qui encore effectivement. Ils ont bougé. Il y a même eu des rumeurs Claxton, autour de Nick Claxton. Ouais, mais parce qu'il y a le problème de la négocier cet été. Je sais pas, PJ Tucker, Bones Island. Ouais, il y avait pas mal de bruits autour d'autres Wizards. Il y avait Gafford, il y avait des bruits autour de Kuzma, enfin, évidemment. Wizards, il y avait... Tout le monde est tradable là-bas. T'as ouais, Zio, ouais, si t'as des picks de draft, non, les Wizards, ils t'écoutent. Ah bah, il y a Denis Avdija qui était évidemment dans les potentiels. Et puis, ils ont récupéré la Marvin Bagley qui, à mon avis, ne va pas rester éternellement à Washington. Donc, non, non, ça fait partie du monde. Évidemment, D'Angelo Russell qui faisait partie des joueurs transférables, mais qui a quand même, il faut le souligner, fait des très très gros cartons ces dernières semaines avec les Lakers. Ouais. Est-ce qu'on peut partir du principe que les Lakers ont vu ça et se sont dit bon bah en fait ils jouent trop bien, on va pas avoir mieux en fait? Bah, le truc c'est que en fait tout D'Angelo Russell est énervant qu'il peut être parfois, il fit assez bien avec LeBron et Anthony Davis. C'est pas mal. Il apporte du spacing, un côté smooth en attaque, il sait un peu tout faire en attaque. Mmh. C'est vrai qu'en défense faut un peu le cacher parfois et Austin Reeves c'est pas génial génial, donc ça les pénalise sur la ligne arrière, mais dans l'équilibre de ces Lakers, le talent offensif de D'Angelo Russell est quand même pas négligeable. Hein. Tout à fait. C'est un peu dans ce sens-là qu'ils l'ont re-signé à un montant raisonnable cet été. Oh, hein. Il paye sa mauvaise réputation, mais je pense que le fit est bon. Bah, parfois, il y a des matchs, tu le regardes jouer, tu fais vas-y, énerve-toi, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai qu'il est frustrant, mais il a du talent. Tout à fait. On a d'autres garçons qui peuvent être transférables. On avait parlé notamment du côté de Charlotte de Nick Richards qui était là. Miles Bridges avec son agent, ils ont été très clairs, ils vont veto n'importe quel transfert parce que c'est son droit. Donc pour le moment pas de mouvement. On a vraiment un très gros silence côté Atlanta, Lakers, Golden State. Atlanta, je suis surpris. Et c'est vrai que là-dessus c'est assez surprenant. Early vainqueur de la deadline. Là je pose la question. Là si vous avez un vainqueur, là, un truc vraiment qui vous, au-delà de l'aspect français, Evan Fournier, si et Kianez, on prend la deadline. Oui pardon. Non mais je pose la question au chat. Un vainqueur clair. Il y en a qui mentionnent déjà du Dallas et du Knicks dans le chat. C'est les évidents. Au sens de deadline élargi, les Knicks, parce que bon, si on met un Ginobili dedans, mais ça remonte maintenant un peu. Ouais. Voilà. Et même là, récemment, juste le. Bah, en gros, le trade avec Détroit, il récupère Bogdanovic contre des joueurs qui ne faisaient pas jouer et Quentin Grimes, quoi. Hein, ouais, Knicks, c'est vraiment bien. Knicks, on l'a vu, on a commencé par ça dès le début. Ton réflexe naturel était de poser la rotation à 10, Alex et tout, parce que. Mais attends, c'est fou, quoi, l'effectif de Knicks. Knicks, Dallas, c'est vraiment bien. Dallas, c'est En fait, je demande à voir, parce que je pense quand même qu'il faut prendre la leçon de l'épisode Grant Williams. Quand tu aimes, ça n'a pas marché. On sait pas à voir comment va marcher PJ Washington. Ils ont besoin de pivots. Et quand tu vois les sauces qu'ils ont prises, ne serait-ce que quand leur rookie n'était pas là, c'est maintenant mieux. Au moins ils ont Gafford à mettre. C'est mieux sur le papier, mais je demande à voir à cause de l'épisode Grant Williams. Parce que moi, j'étais vraiment l'un des premiers à dire Grant Williams à Dallas, super. Ouais, on a il échange 6 mois après. On a été tous très très chauds là-dessus. Donc je demande, voilà, je suis un peu. C'est un fit évident. Et puis Dallas, c'est quand même un schéma de jeu un poil particulier quand même aussi. Ouais, c'est faux. Après, ça a marché, je pense, pour Washington. Mais je pense qu'ils ont bien réfléchi le truc et que PJ Washington ne demande pas beaucoup la balle. Oui. Non, et puis en plus, il est capable de mettre ses tirs en plus. Ouais, des cartes. Et là, il y a des créateurs de jeu, quoi. Il défend un petit peu le meilleur backcourt offensif de la ligue à Dallas. Hein. Et Gafford, on verra, mais au pire, c'est que du bonus derrière Lively, quelques minutes et tout, très correct. Et en sleeper gagnant de cette deadline, clairement, moi j'ai le Thunder. Bah, si ça se confirme, moi je kiffe bien le trade d'Hayward. Alors, sur je le veux papier, bien voir ce qu'Hayward va faire là-dedans, mais j'aime sur le papier, bien. Ouais. Moi, je suis plus. Ça peut marcher. Hein. Moi, je suis plus Minnesota à cause de Monte Morris. Minnesota, c'est bien mal, en petit, mais en fait, qui peut se révéler un impact incroyable. Je suis d'accord. Ouais. On suivra peut-être tout ça, même plus que Gordon Hayward, tu vois, si ça se trouve. Paradoxalement, mais. Ouais. Parce que backup meneur, c'est important. Ah mais non mais c'est ce qu'il leur fallait là, c'est très très chaud. Ils avaient un trou à surveiller. Moi j'avoue j'avoue que moi à surveiller parce que c'est des choses qui vont se faire dans la durée, mais je pense que beaucoup de gens qui ont pris à la rigolade un transfert comme celui de Xavier Tillman va devenir en fait quelque chose dont on va parler en playoff. Il va y avoir un soir de playoff, on va regarder Xavier Tillman et on va dire que le mec a pu changer un carton ou un match de Boston. Donc ça, je trouve que Brad Stevens, on slip un petit peu trop là-dessus, mais je trouve qu'il a fait vraiment le bon move. Et puis à l'inverse, je vous pose la question. Les équipes un peu perdantes,
certains attendaient Orlando plus fort, certains attendaient Atlanta ou les Lakers. C'est vrai qu'Orlando, ils auraient pu faire un petit move quand peut-être même. Si vous avez une équipe qui est plutôt perdante de cette trade deadline, c'est qui? Je vous laisse le mettre un petit peu dans le chat. Les Bulls, nom de Dieu. Je crois que la timbale, c'est pour Chicago, je crois. Ah, pour l'État. Moi, je dirais quand même un peu Brooklyn. Parce qu'en fait, cette trade deadline, c'est un aveu de faiblesse, quoi. T'as été obligé de transférer Royce O'Neal contre 3 secondes piques. Parce qu'en fait, tu te rends compte que trop de joueurs similaires qui perdent petit à petit leur valeur. Et c'est un aveu de faiblesse. Aucun qui a l'air tellement meilleur que les autres. Voilà, et leur projet est en train de tomber. Il y a un an, ils transféraient Durant pour Michael Bridges. On y a un an, là. Ils transféraient Kyrie pour Dinesh Suisse. On disait tous, les contreparties sont incroyables. Et en fait, leurs contreparties ont déjà moins de valeur qu'il y a un an. Très rapidement. Tout à fait. Franchement, tu vois, et Brooklyn, pareil, Dinwiddie là contre Schroeder, c'est un peu des aveux de faiblesse, moi je trouve. Pas Milwaukee aussi un peu perdant là de cette deadline. Si, parce que quand tu bouges pour Beverly, c'est un peu panic move. Et puis New York se renforce. Cleveland bouge pas parce que Cleveland ils sont comme ça en ce moment en train de flex. Ouais. Non, c'est chaud. Boston ils ont ajouté un intérieur. Ouais. Ah non, dans la course à l'armement, la Milwaukee, ils sont en mode mec, on a pas de bev. Allez chercher Caruso là. Et en plus, je vais être méchant, mais pas de bev, t'as un peu l'impression que c'est le move de débutant. Genre, on a besoin de quoi? Défense meneur, tu sais, pas de bev. Vas-y, boum, c'est bon, il va c'est amener d'évidence. Il va amener de l'intensité. Et en soi, on lui souhaite d'y arriver, mais c'est vrai que pour le moment, Milwaukee n'a pas répondu avec un move. On s'est regardé, on a fait ouais, super, thumbs up quoi. Donc, je réfléchis. Pourtant, John Horst nous a habitué à des très grandes choses. Attention, les Bucks, encore pas plus tard que hier soir, s'annonçaient 2 à 3 potentiels transferts. Je sais qu'il reste un quart d'heure et que là c'est nous rompicham le gif etc, mais je pense vraiment pas que Milwaukee a fini, mais il va falloir se bouger là parce que si ça se trouve on va se retrouver dans une heure et se dire Milwaukee était sur Royce O'Neal machin bidule chouette et en fait ils sont passés à côté de tous les wagons. Incroyable. Finney Smith va partir je pense, il est dans les derniers à mon avis parce que là il envoie ses vétérans. Caruso, je sais pas, les Bulls ils en veulent ça tellement. Peut être compliqué. 20h44, je rappelle donc qu'à 21h pile, normalement tous les managements de NBA sont censés poser les téléphones, drop le stylo, on enlève les mimines, comme dans Top Chef, comme dirait Simon. Au niveau des actus, je les rappelle, très importantes, avec Alex, on se retrouvera probablement dans les poufs pour faire une petite analyse de cette trade deadline. Oh, revenir gentiment. On va quand même regarder tout ça, ouais, bien sûr, il y a pas mal de choses à dire. Même si c'est calme, c'est pas pour ça que... En fait, c'est calme en blockbuster. Oui. Ça brille un peu moins que les autres années, c'est un peu plus calme. Mais en fait, quand tu regardes le nombre de petits moves qu'il y a eu, dont ceux qu'on a cités là, qui peuvent avoir des gros impacts, ouais, y a pas mal de choses. Et voilà, il suffit de demander le retour de Doug McDermott à Indiana. Les Spurs envoient Doug McDermott chez les Pacers. Alors là, je te régale. Non, mais évidemment, c'était un move qui était attendu du côté de San Antonio. On parlait justement de ce type de vétéran. Que va récupérer San Antonio en échange? Attention, ça peut être tout simplement le côté que tu mentionnais, Simon, de libérer de la place dans le cap, puisque Doug McDermott faisait partie des meilleurs salaires en fait de service San Antonio. Service rendu, va jouer les playoffs. Tu nous as rendu des bons services, va jouer les playoffs. Indiana, c'est très bien. Eh ben, c'est un futur second tour de draft. Oui. Merci. Hein. Oui. Merci pour ce transfert qui a très largement réveillé cette grosse fanbase des Spurs. Hein. Vraiment, on est content. Merci pour le service rendu. On en parle. C'est pas mal pour Indiana. Contre rien en fait. T'as perdu Buddy Hield, donc t'as besoin d'un sniper en plus en sortie de banc. Doug McDermott, pas mal. C'est un ancien évidemment qui a fait le travail. On me demande une animation depuis tout à l'heure dans le chat et j'aimerais titiller un petit peu Simon et Alex là-dessus. Vous avez des ballons, il y a des paniers. Toi, t'as envie de shooter en arrière, toi. Je sais. Moi, je me retourne pas, les gars. Toi, tu te retournes pas. Là, il est où le panier? Attends, je m'entraîne un peu. Non, là, je suis pas bien. Je suis pas axé là. Ça sent la fin du live. Je pensais qu'on attendait la fin du live pour casser le décor. Qu'est-ce qui se passe si ça rentre par contre? Si ça rentre, là je pète le setup. C'est bon, Léon, s'il est content. Alors, faut voir, il est où le panier? Il est là, on est bon. Oh! Non, si non, mais non, il est rentré! Non. Ah, le crevard! C'est aligné! Avec l'effet d'optique. La barre! Avec l'effet d'optique. C'était terrible. C'était un peu correct. Non, c'était pas mal, mais c'est un peu short. Toi, t'es un peu short, mais il y a juste ici avec la machine à écrire. Ouais, franchement, moi j'ai écrit en moi, j'ai regardé la tête d'Alex, je pense que le replay va être très drôle. Allez, mon cher Simon, est-ce qu'il va y arriver? Ouais, c'est en arrière aussi. C'est en biais, hein. C'est en diagonale là, Simon. C'était presque. J'ai eu du cercle, non? Mais t'as eu du cercle. Attends, du cercle. Elle est revenue. Ah, il y en a encore. Bon, là, t'as carrément le cadre. Ouais, là, j'étais un peu trop à l'arrache. McDermott, donc, qui nous a rejoint, les copains Pacers. On verra si on sera capable de remettre ces petits paniers. J'en profite pour rappeler. En fait, il y a Marcus Morris carrément qui va à San Antonio. Ah, Marcus Morris! Mais il vient d'où? Il était à Indiana dans le trade de Buddy Hield. J'ai un deuxième breaking news de la part lourd, du Vosges. Je le remets. Atlanta garde Monsieur Dejounte Murray.
pas de transfert, c'est annoncé par le Vosges. Pas de transfert de monsieur Dejounte Murray à la deadline. Ça y est, c'est officiel. On se retrouvera au mois de juin pour que Atlanta puisse faire du trade. Je rappelle aussi que les Lakers auront la possibilité d'utiliser trois futurs. Non, non, ils le font à la fin un peu. Genre c'est fini quoi. Ça bouge pas. Atlanta bouge pas. C'est un peu dernier vert quoi, les gars. Warriors bouge pas. Lakers bougeront pas. Bulls bouge pas. Lakers bouge pas. Nuggets bouge pas. Non, mais ça c'est normal. Nuggets c'est normal tout à fait. Atlanta en tous les cas, je le rappelle, moment très important, lorsque vous vous entendez pas à la deadline, on se retrouve à la draft en fonction évidemment de la loterie et puis des joueurs qui peuvent bouger parce que les managers le disent souvent, ils ont un peu plus d'amplitude sur des transferts autour du printemps et de l'été plutôt que là en plein hiver. On le sait aussi, Atlanta va falloir faire du boulot parce que Alex, il y a quelques mois, un John Collins qui a pas été transféré, ça s'est terminé en salary dump, hein, Ouais, faut faire hyper gaffe. Maintenant, on le répète, pas mal d'équipes étaient un peu coincées financièrement, soit tout de suite, soit allaient l'être. Du coup, on a vu, hein, les assez grosses équipes qui sont autour du second apron, elles ont fait que des mini-trades, genre les Bucks, les Suns, bon, les Lakers, ils ont carrément pas bougé, les Clippers, ils ont pas bougé, les Nuggets, ils ont pas bougé, les Warriors, ils ont pas bougé, le Heat a fait Rozier contre Lowry il y a quelques temps, voilà. Les Wolves ont fait un mini-trade, enfin, tu vois, ça fait pas mal d'équipes qui ont assez peu bougé, et finalement, c'est les équipes juste en dessous, avec un peu plus de marge de manœuvre, genre Knicks, Thunder, Mavs, qui, elles, ont plus animés sur des un peu plus gros joueurs à la deadline. Mais oui, petite deadline. Et qui vont peut-être faire la différence, on le sait, parce que l'année dernière, un exemple tout simple de trade qui n'était pas trop mentionné, enfin c'était sympathique, mais Josh Hart qui est récupéré par les Knicks, c'est devenu quand même un sacré coup de la part de New York. Oui. Et c'est devenu un joueur fondamental à la fois cette saison et l'année dernière dans le premier tour face aux Cavs, Alex. On l'avait vu, Josh Hart. Ouais, c'est un joueur qui est devenu important alors qu'il est arrivé entre guillemets un peu discrètement. On souhaite la même à des Bojan Bogdanovic, à des OG Anunoby. Ouais, on attend New York très costaud là en playoff. J'avoue. Les Knicks, là t'es les Cavs, t'es là, les sur Bucks, le papier, c'est bien t'es renforcé, Celtics et tout. Tu dis, ça va pas être la même chanson là. Hein. C'est très clairement relou. Je vous remonte justement l'effectif des Knicks. On en parlait, c'était un des gros thèmes, une des grandes thématiques au-delà du départ de Evan Fournier. La grande thématique, c'est ce groupe Knicks qui regardait quand même assez impressionnant sur le papier. Vous travaillez pendant des mois pour affronter ça au premier tour des playoffs en croisant les doigts pour que Mitchell Robinson revienne. Jalen Brunson, Julius Randle, Josh Hart, Bojan Bogdanovic, Isaiah Hartenstein qui fait une énorme saison en l'absence de Mitchell Robinson. OG Anunoby, donc, ils ont renforcé leur banc avec Alec Burks, dont Teddy Vincenzo qui est immense. À 3 points, il envoie des sacrés filoches. On l'a vu notamment contre Indiana et les Lakers plus récemment. McBride. Honnêtement, ouais, les Knicks font partie de ces grands vainqueurs. Les Cavs, est-ce y avait que pas ça les change vraiment de catégorie, les Knicks? Vas-y, pardon, je t'en prie. Non, j'ai cru que t'avais fini. Ouais. Ah bah tiens, ah bah ouais, voilà. Ça a bougé. Les Kings, les Bucks envoient Robin Lopez à Sacramento. Ouais. On va voir ce que vous allez envoyer en retour. Robin Lopez. On envoie Samson, la mascotte. C'est l'échange Robin Lopez qu'est-ce contre mascotte. Qu'est-ce que vous allez envoyer? Qu'est-ce que c'est quoi l'intérêt de ce trade là? Qu'est-ce que vous faites? Je fais un récap à la fin. À 21h, on fera un récap complet. Kings, je réfléchis. Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez là? C'est quoi, tu sais, les petits trades de fin de deadline là? Genre, ouais, on a rien fait, les gars, on a rien fait. Attends, faut faire un truc. Alors moi j'ai été actif. Ouais. Vous pouvez pas dire que j'ai gardé les mains dans les poches. Ils veulent Alex Len. Javal McGee. Qu'est-ce que vous avez envoyé? Non, Alex Len. La mascotte. Ouais. La mascotte, hein, Robin Lopez, hein, non? Oui, c'est pour ça que je disais contre Slamson. Notre lion. C'est Slamson? Ouais, c'est un espèce de jeu de mots entre Slam, Samson. C'est n'importe quoi. C'est Slamson? Dans... Oui. Un lion avec des cheveux longs qui ressemble à Samson mais qui met des dunks. D'où Slamson. Enfin, je crois que c'est encore lui. Quand j'étais petit, c'était lui peut-être maintenant. Ça. Plus mais que 10 minutes dans cette trade deadline. Et on le voit, en fait, ça ouvre un roster spot, nous dit Bobby Marks, pour les Bucks. Ouais, qui sauve également 9 millions de dollars en liaison avec la trade. Ils obtiennent quoi? C'est quoi l'intérêt des Kings alors? Bah, d'être gentil avec les Bucks. Ouais. Nous on est gentil, on fait partie des gentils. C'est historique, vous avez fait Dante DiVincenzo avec eux, non? Ouais, puis on a raté, c'est le trade avorté de Bogdanovic. Bogdanovic. Surtout. Il change Bogdan. Beaucoup de choses. Ouais. Ça, c'est un mini what if pas mal. Ouais. Non, mais les mini what if de deux ans. Ils auraient été champions, ouais, voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Ils auraient été champions. Non, mais je crois que Milo. Moi, je me souviens quand les Kings ont pas pu trade. En tout cas, Robin Lopez rejoint nos amis les Bucks, les Kings, pardon, c'est formidable. Ça veut dire aussi séparation du duo Brook et Robin Lopez. C'est vrai, désolé, les frérots. S'ils sont pas champions, s'ils sont champions, les Bucks, ce sera pas avec la fratrie. On a parlé évidemment de Doug McDermott à Indiana. J'attends quelques minutes. À 21h, je ferai
inspiration et récap complet. Oui, c'est 21h. Hein. Je vois des gens qui demandent. La fin, à partir de 21h, tu peux plus envoyer de fax. Terminé. Oui, c'est t'as ça. Éventuellement un ou deux tweets qui tombent à 21h, une ou deux, ouais, c'est voilà, déjà ouais. arrivé. C'est les... Parfois, c'est les fax quand il y a un peu de bourrage papier ou truc ouais. comme ça. Quoi. Tu peux encore appeler à 20h59 et si t'es encore en ligne, ça va. Ouais, maintiens la ligne, s'il te plaît. Ne raccroche pas. Sinon, on va se faire taper sur les doigts par Adam Silver et compagnie. Qu'est-ce que je te disais avant qu'il y ait le trade? Ah oui, est-ce que les Knicks changent vraiment de catégorie pour vous? C'est-à-dire qu'on passe d'une équipe très costaud à l'Est qui peut passer un ou deux tours à vraiment potentiel finaliste là. Oui. Moi, je pense que. Ouais, moi, oui. Finaliste NBA? Bah, finaliste. Finaliste de l'Est déjà serait ouais, bien. Ouais, allez, finaliste de conf. Bah, ils étaient... bah oui. Ouais. Ouais, oui, je pense, parce que Anunoby leur offre un côté two-way qu'ils n'avaient pas assez l'année dernière. Ouais. Et Bojan Bogdanovic va ouvrir des lignes de drive pour ouais. Brunson et Randle qui sont quand même assez sérieuses. En play-off, ça fait plusieurs joueurs d'expérience okay. avec du Hartenstein ou du Mitchell Robinson dans la raquette. Je dis équipe sérieuse avec le Madison Square Garden qui pousse. Oui. Ouais, non, ouais, non, non, équipe sérieuse qui. Qui regarde, pose la question dans l'autre sens. Qui là. Sur une série en 7 face à New York, tu mets favori quoi en gros. Se dit non, on va les fumer. Il y a Boston et qui il y a d'autre encore fumé, il faut enfin non, cas, faut mais Boston battre, vu voilà. la régulière qu'ils font, on se dit qu'ils sont au-dessus. Greenland, faut ça discute travailler, hein. tout à fait. Il y a des mauvais souvenirs l'année dernière. Les Sixers avec Embiid, Philly avec Embiid, c'est chaud. Ouais, Embiid, faut qu'il soit oui, sur deux voilà, pattes. Les Sixers avec Embiid en fait, ouais. Moi là où pour tu vois ce que je veux dire, premier tour parce que deuxième tour, il est déjà plus qu'à 80. Pour résumer un peu la pensée, moi j'avoue c'est s'il y a deux semaines ou trois semaines, tu me disais les Knicks en finale de conférence, je te dirais lol resserrement un Ginette. Ouais, je le forme. Là, si tu fais les Knicks en finale de conférence, je te dis probable. Why not? Probable. Ouais, enfin, ouais. Un truc que tu vois de voilà. Pareil, moi je pense pas. Je c'est juste demande une phrase. À voir, mais en fait, une phrase est devenue totalement plus crédible avec les Knicks. Quand même. Et les Knicks, je rappelle juste pour finir la boucle, les Knicks et Leon Rose, je sais que là il y a de l'accumulation de talent et tout, mais oui, je pense que cet été ils voudront aller chercher une superstar. C'est ça. Par parce contre, que, par contre, avec là, peut-être que Julius Randle sera dans un transfert, parce que Jalen Brunson, tu sens que ça peut être le numéro 2 d'une super équipe qui peut aller jusqu'au bout, et parce qu'ils ont des soldats autour. Je veux dire, Jalen Brunson et OG Anunoby, pour une superstar, c'est formidable. Et puis Randle à Philadelphie, Randle à Philadelphie, il sera content. Randle à Philadelphie, il fera fait. De la boxe, il achètera un jogging de un peignoir Rocky, là, et puis voilà. Est-ce que je peux poser une question qui fait très très mal? Vas-y. Mais alors vraiment très très mal. Et peut-être que je m'avance, mais peut-être que ça va être une séquence incroyable dans 6 mois. Est-ce que là, avec les Lakers qui vont rien faire, on va vivre les 5 derniers mois de LeBron avec les Lakers, il va rejoindre Bronny et les Lakers vont se mordre les doigts? Ah, oh là. Je pose la question. Moi je pense pas, mais tu sais que plus... Il a pas signé LeBron. Ah, excusez-moi. Il est pas en fin de contrat LeBron. Les Raptors vont... Bah, il a une player option à 50 millions. Il a une player option seulement, c'est tout. Juste, excusez-moi, breaking news. Les Raptors ne conservent même pas Spencer Dinwiddie, ils le coupent. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'ils font les Raptors? Ils ont lâché Dennis Schroeder contre... Enfin, voilà. C'est bizarre. Donc sur l'affaire LeBron James mais et... Donc Dinwiddie en buyout quoi. Ouais, parce que c'est quand même un joueur correct. Je vais vous montrer ça, mais je crois bien. Bah, si je dis pas de bêtises. Attends, Dinwiddie il est grave, il est minimum fait là. L'autre il va signer à Milwaukee, puis d'un coup ça va nous changer toute la trade deadline quoi. Non mais attention hein, parce que c'est un joueur sérieux. Afin d'éviter le contrat bonus de 1,5 million en crypto-monnaie pour Spencer Dinwiddie, les Raptors ont prévu de justement de libérer. Il y a un monde fou sur lui hein. Et donc Dinwiddie au minimum vet, franchement ça intéresse parce qu'en fait, plein de gens. Comment dire, meneur titulaire c'est n'importe quoi. Par contre, deuxième ball handler dans le 5 ou en 6ème homme, que tu payes que à côté minimum d'un, vet, à côté d'un super vet. Meneur, c'est son bien. Rôle. C'est son rôle et il est bon là. Bah, comme à Dallas en fait, ça comme il était utilisé à Dallas à côté de Booker. C'est la bonne utilisation de Dinwiddie ça. Qu'est-ce que c'est que ça de la part des Raptors? Bah, ok, ouais, ça, le ça, petit je veux bonus, dire un truc. Tu veux éviter le bonus, bon. Ça c'est à Miami. Dans... Oh là ça, là là là, oh le petit au buzzer. Les Sixers envoient Jaden Springer à Boston contre un second tour de draft. Oh la petite pépite. Moi j'adore Jaden Springer, ouais, c'est envoyé aussi. Du côté de Boston. Ah là 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 là, au buzzer, je pense pas que ça va tout casser sur l'échiquier de l'NBA. Non, mais alors par contre, quand même, c'est le genre de petit move. Moi j'aime beaucoup Jaden Springer avec donc Jordan Walsh à devoir développer. Ah ouais, c'est envoyé. À Boston, il va à peine jouer. Hein. Oui, il va à peine jouer, mais quand même, c'est pas, un move. Bah, il est sur, ouais, il est sur des spots, il y a du monde. Hein. Oh là là, Daryl Morey, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un petit besoin, Boston. Moi, alors celle-là, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je m'y attendais pas. Non, et c'est un peu le besoin dont on parlait en plus là. Bon, et c'est pas un super joueur, mais tiens, moi, je suis même surpris que les Sixers aident Boston en fait, surtout. Alors après, on va voir, mais en effet, il y avait des histoires de spots libérés. Attends, mais c'est pas possible. Non, Philly va faire un dernier trade.
Bah, je pense. Philly va faire un night ride. Là, ils sont en train de faire. C'est bizarre. Ils font de la place avant. C'est bizarre. Pour moi, s'ils récupèrent un second tour de draft, c'est pour le mettre dans un plus gros package là dans les quelques prochaines minutes pour l'envoyer. Ils ouvrent un roster à Caruso ou un truc comme ça. Faut essayer de voir. Ouais, peut-être. Ou voilà, Philly est en train de faire un trade. Il est quelle heure là? Bah, surtout que là, 20h57. Faut envoyer les fax d'Ariel. Attends, lâche pas. Si, tamponne le fax. Non, mais là où je rejoins Bastien, c'est qu'ils aident leur meilleur ennemi. Donc, c'est qu'a priori, ils sont obligés pour un trade plus gros. Sinon, ils vont pas faire cadeau d'un joueur à Boston. Je pense que là, il y a probablement ce pic là envoyé par Boston. C'est Caruso, Drummond, je pense. Ouais, Drummond, bah ouais, pour l'absence d'Embiid. Ouais, pour l'absence d'Embiid. Ils l'ont déjà eu en backup, ils l'aiment bien. Allez, moi je parie sur André Drummond. En plus, c'était le mien parce que et l'expirant de DeRozan. Allez, vas-y. Excusez-moi là, parce que Alex, il le demandait tout à l'heure là. Bruce Brown va être transféré à la deadline. Là. Bah, c'est bizarre parce que pour le coup, les Raptors là, j'aurais trouvé ça logique. Ouais. Qu'il le trade. J'avais oublié lui, mais. Parce qu'en plus, il avait une bonne valeur lui là. Ouais. Lui, t'avais des vrais assets. Va pas être transféré. T'avais des vrais assets à choper avec Bruce Brown là. C'est quoi, il y avait vraiment personne pour lui faire des bonnes offres? Ça me paraît bizarre. Et donc Dinwiddie va être sur le marché, il va être à Miami dans 24 heures à la place de Kylori. Parce que Kylori va aller à Philly, l'autre il va aller à Miami. Ça peut. Un truc comme ça quoi. Il va avoir un peu de jeu de chaise médicale sur les buyouts, c'est souvent comme ça. Qui sert en premier selon les destinées. 20h58, dans deux minutes je vais faire un petit récap. Vas-y Simon. Non, moi je voulais revenir quand même parce que plus j'y pense, plus. Moi je trouve que Tillman à Boston. Ah bah oui, vraiment. Ah bah en fait, oui. Mais moi j'adore. Vraiment, parce que tu vois, en fait, voilà, c'est pour ça que je repense à ça, j'ai retrouvé le fil. Tu disais tout à l'heure, et j'étais complètement d'accord avec toi sur la formulation pour New York, du genre si tu me dis il y a deux semaines les Knicks sont en finale de conf, je te rigole au nez, alors que là non, en gros. Hein. Bah moi, j'étais dans le camp. Boston va encore merder et réussir à pas être champion. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Et là, d'un coup, rien qu'avec Tillman, c'est cool, juste la petite nuance. J'ai l'impression que ça peut changer quelque chose d'assez important. Moi, je pense qu'ils étaient déjà très forts avant, mais ça les aide. Hein, Moi, j'étais pas convaincu parce que je trouvais qu'ils étaient juste en nombre de bonhommes. Et Porzingis sort fort, pour moi, tu gagnes pas qu'à tour de playoff avec les deux intacts à la fin. Ça, je suis Non, mais Tillman, là-dessus, va te servir de juste pas physiquement. Ça, je suis d'accord. 20 matchs de playoff, on va dire. 20 matchs de playoff, 40 minutes, les deux, je pense que tu les envoies, t'en perds un des deux en route, physiquement. Et Tillman te permet de descendre en minutes. Ouais, puis il amène de la présence physique. Excusez-moi, c'est confirmé. Hein, les Raptors gardent Bruce Brown. C'est envoyé par monsieur Adrien Wojnarowski. Il n'y a pas de mouvement de monsieur Bruce Brown. Celle-là, j'avoue. Et pareil, Mark Jake Spears qui nous dit que les Clippers ne vont pas bouger PJ Tucker. Ça y est, il commence à y avoir des confirmations. Oui. C'est quand même assez monumental. Il n'y a pas de mouvement sur ces joueurs-là. 21h pile. Je crois que je vais devoir faire le récap. On pose les stylos. On pose les stylos. On lève les mains. C'est fini les fax. Allez, je vais essayer de faire un récap. Si je me fais couper la parole, ce sera comme ça et on fera des belles interruptions. Mesdames et messieurs, le récap officiel de cette trade deadline fort mouvementée. Peut-être pas sur la fin du live, mais en même temps, on a eu quand même pas mal de petits transferts, surtout Cocorico. On a démarré avec Boston qui a récupéré Xavier Tillman hier soir pour renforcer son poste intérieur. Très bon mouvement de la part de Brad Stevens. Ensuite, du côté de Détroit, on a démarré le bal des transferts avec Monte Morris qui a envoyé à Minnesota. Les Wolves, ils ont fait un move, il était attendu, renforcer le poste de meneur derrière Mike Conley. Ensuite, on est passé à Indiana qui a lâché Buddy Hield. Il était. Ah, excusez-moi. Eh ben, allez, un petit quelque chose. Allez, Dalano Banton qui est envoyé à Portland contre un très, 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 mais alors très sécurisé second tour de draft. Non, mais vraiment, avec un super second tour de draft, là, vraiment, genre, attention, merci de nous avoir spoilé On s'en bat les noirs. C'est absolu. Je reprends donc, bien évidemment, mon petit récap. On avait vu Buddy Hield retrouver les Sixers avec donc Marcus Morris qu'on a vu derrière côté San Antonio. Il va être coupé d'ailleurs, Marcus Morris, pour ceux qui n'ont pas l'info. C'est pour Kane Korkmaz et trois second tours de draft qui vont du côté d'Indiana. Buddy Hield qui va envoyer des filoches en attendant le potentiel retour de Joel Embiid. On a vu Utah et Toronto faire du travail ensemble. Les Raptors, on va en reparler. Utah qui a donc envoyé les Chicago Bulls, excusez-moi. Il garde monsieur André Drummond. J'ai cru qu'ils allaient faire un move. Non, on attend plus que toi pour l'instant. Ils sont bien. Tout à fait. Utah qui envoie monsieur Kelly Olynyk et Oshai Agbaji à Toronto contre Kira Lewis, Otto Porter Jr. et un premier tour de draft. On a vu le Thunder qui a fait un gros transfert, celui de Gordon Hayward, en échange notamment de monsieur Treman, Davis Bertans, Vasilije Micić et des compensations de draft. On va voir tout ça en détail. Washington qui a envoyé non pas Kyle Kuzma et monsieur Jordan Poole mais Daniel Gafford à Dallas en échange de Richon Holmes. Les Mavs qui ont été très très forts, ils font partie des vainqueurs de cette trade deadline puisqu'ils ont récupéré monsieur PJ Washington notamment du côté de Charlotte en échange de Grant Williams, Seth Curry et un futur premier tour de draft. Le projet Grant Williams n'aura pas marché à Dallas, ça aura duré que quelques mois. On a vu le gros trade, le trade Cocorico
Chicago entre les Knicks et les Pistons avec Evan Fournier, qui passe de Gotham à Motown. Quentin Grimes, Malachi Flynn, Evan Fournier et Ryan Archidiakono côté des trois. Bojan Bogdanovic et Alec Burks qui viennent renforcer le banc des Knicks en direction peut-être du mois de mai. On leur souhaite en tout cas les Knicks, on en reparlera avec Tom Thibodeau. On a échangé après à Détroit quelques joueurs et on a dit bah tu sais quoi, allez, Joe Harris ça dégage, Killian Hayes ça dégage et Monsieur Daniel House aussi, hein, tout ça c'est renvoyé, même pas de transfert. Merci, au revoir, vous êtes libérés. On surveillera évidemment les affaires de Killian Hayes, peut-être comme l'a dit Alex, récupéré par quoi, une franchise NBA qui lui donne des opportunités ou peut-être en Europe, ouais. On sait pas encore, ce sera à suivre. On va voir. On a vu Toronto continuer ses affaires puisqu'il y a Dennis Schroeder. Oui, voilà, on nous rappelle avec Ramon Chambers que les Sixers et les Bulls avaient parlé d'André Drummond, mais ce n'est pas allé aussi loin que ça. Les Raptors ont envoyé Dennis Schroeder avec Thaddeus Young à Brooklyn contre Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie, ça dégage. Simon et Alex en parlaient, c'est une belle acquisition à aller chercher sur le marché du buyout. En concurrence avec Kyle Lowry. On a vu les Suns de Alex récupérer un très bon Royce O'Neal en provenance de Brooklyn dans une affaire à trois tout à fait sympathique et parfaitement compréhensible. Il y a du David Roddy, il y a du Shimezim et tout. On envoie Watanabe. Voilà, il y a Tata Ginette, Tata Bifo, Diop, Jordan Goodwin. On nettoie en profondeur, évidemment. On a vu également un petit trade entre les Sixers et les Bucks. Pat Beverley arrêtera d'aboyer dans les oreilles de Nick Nurse, ce sera dans les oreilles de Doc Rivers. Les deux se connaissent bien. Ah, ça se connaît bien. Ah là, les conférences de presse. Ça te souviens de... qu'on est chaud ensemble. La conférence de presse du 27 avril va être succulente. Ça va être incroyable. Oh bah tiens, allez, une petite breaking news. On pourra dire que les Warriors ont été actifs. Ils envoient Corey Joseph à Indiana. Super. Merci, c'est génial. Maison, ouais. Mais contre quoi là, c'est quoi l'idée? Mais les Warriors, les frérots. On souffle. Hein. Les Warriors, on souffle. Hein. Les Warriors, qu'est-ce qu'ils récupèrent là, qu'est-ce qu'on souffle avec les Warriors là? Avec Corey Joseph, ça dégage. J'espère pour eux que ça va pas se finir trop en autre boudin quand même cette année pour eux là, mais. J'étais content de mon récap, il est devenu encore plus nul. Allez, les Pacers qui ont récupéré Doug McDermott en échange donc du cadavre de Marcus Morris qui est envoyé à San Antonio et qui est coupé tout de suite et un futur second tour de draft. Les Spurs continuent leur grand classique. On envoie des joueurs contre des picks au moment de la deadline. Merci Derek White, merci Puttle et merci donc Doug McDermott. Atlanta garde Dejounte Murray. Bruce Brown est conservé par les Raptors. Milwaukee envoie Robin Lopez et du cash à Sacramento. Voilà, pour espérer ne pas trop toucher à la taxe. On a donc Spencer Dinwiddie qui va devenir libre. Et puis bah, c'est Jaden Springer qui nous a complètement révolutionné cette trade deadline envoyée par Philly à Boston. Et on a fini avec donc cette dinguerie de Dalano Banton à Portland. Et Corey Joseph qui a secoué la planète basket. Quel trade deadline, mes amis. Quel trade deadline. Molle, molle, what? Des petits moves. Des moves dont on va reparler dans le futur. Pas de blockbuster cette année. Non. Mais c'est comme ça. Thunder, très sérieux. Knicks, très sérieux. Wolves, très malin. Lakers n'ont pas bougé. Nuggets n'ont pas bougé. Clippers n'ont pas bougé. Tout à fait. Boston, vous... malin. Tout à fait. Je vous pose la question au finish. Maintenant que tout est officiel, le meilleur trade de cette trade deadline. Le chat, Simon, Alex. Là, on n'est plus sur de l'hypothétique. Je veux le meilleur transfert. Le meilleur. Basta. Je veux le meilleur trade qui a été fait. C'est lequel? Vous pouvez inclure les Siakam, Anunobi, etc. Machin. Ah, d'accord. Ah. Ouais, bon. Et après, on peut faire une deuxième partie, le truc des 24 dernières heures. Quoi. Toi, t'as bien aimé Hayward à OKC. Ouais, moi, je pense que c'est le meilleur trade. Tiens. Meilleur trade? Ouais, c'est un très bon trade. Pour Alex, c'est malin. Hayward. C'est malin. Ouais. J'aime bien. C'est ton petit trade préféré. Pour mon cher Simon, le meilleur trade? Je pense que vraiment, dans l'absolu, c'est quand même Anunobi. Ça, c'est sûr. Parce que Quickley, elle est pas signée. Ah, t'as lâché quand même Barrett et Quickley. Hein, ouais, mais Quickley, t'allais le perdre. Oui, bah enfin. Et en gros, ça revient presque à du Barrett. Et je pense que ça va permettre aux Knicks de faire le gros move l'an prochain. Parce qu'une superstar va dire bah vas-y, mon lieutenant, mon bras droit, c'est Brunson, mon bras gauche, c'est Onanubi. Ouais, et ça a quand même une autre gueule que RJ Barrett, Brunson. Désolé, hein, tout de suite. Non, bien sûr. Donc je pense qu'à long terme, c'est celui-là. Et à plus court, notamment en vue des playoffs de l'an prochain, moi, j'assume le Tillman, j'aime beaucoup. Xavier Tillman et Monte Morris que t'avais bien aimé. Ouais, moi j'aime beaucoup. Des belles petites acquisitions qui vont devoir faire la différence en playoff. Moi je vous suis totalement. Évidemment, mon transfert préféré c'est Corey Joseph à Indiana. C'était formidable. On s'est éclaté là-dessus. L'actu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est simple. Si vous êtes curieux, vous pouvez foncer, aller checker l'édition Deluxe
de Slamdunk Kalila, le ballon là, si tu veux, évidemment. Il peut pas. Mais dans tous les cas, regardez ici, merci aux éditions Kana qui nous ont sponsorisé ce petit live de la deadline. Merci aux copains. Il y a du panier collector, mais il y a surtout cette édition deluxe de Slamdunk qui est dispo, le numéro 1. Le numéro 1, il va en avoir pas mal derrière. Le 15 mars, rendez-vous pour le numéro 2. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies qui sont proches de chez vous. Si vous voulez la version toute simple, elle est juste ici. Mais vous voyez, c'est pas les mêmes dessins et c'est pas forcément les mêmes couleurs puisqu'il y en a dans celui-ci. Mmh. Nous avec Alex, on va se retrouver évidemment pour faire des petits apéros spéciaux trade deadline. Hein, ouais, on va débriefer tout ça tranquillement. Vainqueur perdant. Avec mon cher Simon. On va faire une addition, mais faut qu'on se teste quand encore. On va se retrouver. Nos agendas étaient très chargés, c'est un temps, on s'excuse. Très chargé, bah non, mais pour être parfaitement franc, bah, Simon toi, en m'a même temps, dit. Tu te casses. Est-ce qu'on peut se faire, une addition? Et puis moi, j'étais à New York, donc c'était compliqué. Le reste du actu, vous pouvez le retrouver évidemment sur Trash Talk. Parce que vous allez sur le site et qu'il y a tout qui est en train d'être géré par la rédaction que j'applaudis fortement parce qu'ils font un travail de zinzin, évidemment, pour tout récapituler. Vous foncez sur TikTok, il y a Nathan qui va vous régaler. Merci à Léon Skurker aussi qu'on applaudit de MVP qui nous a fait un super setup. Merci comme d'hab à Simon et à vous qui étaient des milliers et des millions pour suivre cette trade deadline. Analyse de tout ça sur Twitter, les réseaux sociaux et sur YouTube et bien évidemment sur Twitch. On vous fait des bisous. Très bonne soirée ciao. À toutes et à tous. Ciao, et à la prochaine. Bisous. Ciao. Des bisous. Bisous. Ciao.